fait un sourire. Allez, on se retrouve les amis pour cette troisième partie de la journée. On va voir les GK de Benji qui vont affronter les sœurs de bataille de Vostro. Nos deux camarades si présents ont respectivement vaincu Tonton Poulidor avec ses Space Wolf. On va donc avoir le match sans plus attendre. Et je vais leur donner immédiatement la parole. Regardez comme ils sont beaux, ils sont chauds, ils sentent le vin chaud. Benji, on t'a pas vu de la journée, comment ça va? Ça va, pleine forme. T'as suivi la game de ce matin? Ouais, j'ai suivi les deux games en fait, avec mon petit casque là et tout, c'était cool. Ok. Ouais, j'ai vu tout ce qui se passait, j'espère que Vostro est fatigué. Ouais, tu mises là-dessus? Une petite balayette, ouais. Soyez okay. Pas inquiet, hein. Vous voyez deux couilles parler, c'est normal. j'espère qu'il est fatigué pour essayer de le... C'est ça. Ok, ça roule. Eh ben, les amis, je vais vous laisser sans plus attendre présenter au peuple qui nous suit sur Creative Wargame vos déploiements. Oui, ça va repartir, je veux dire même plus, c'est parti. Hop, non, c'était pas ça, c'est ça que je veux faire. On sait pas encore qui va avoir le premier tour, le jeu n'a pas été lancé. En revanche, on peut demander à Benji de nous présenter son déploiement et le scénario. Et le scénario, c'est ça. Alors, on joue mission Q, c'est important, quelqu'un va prendre un Q ce soir. C'est ça. Mission Q, on joue Supply Drop, donc c'est le fameux primaire où les primaires disparaissent, justement. Donc ça va être, je pense que ça va mettre pas mal de tension dans la game en fonction de... Pas de tension. Quel primaire... va tomber. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on joue Rapid Escalation. Donc, c'est celui où on peut FEP dès le T1 avec les Battle Line. Et on joue en Swimping Engagement. Donc, une espèce de Hammer and Anvil un peu décalé. Là. Voilà, un des nouveaux déploiements de Paria Nexus. Voilà. Table solo FEC. Tout on est très content d'ailleurs. Je suis super content de cette table. Bien. Je pense qu'elle a été faite quand j'étais pas là, pendant mon absence. Allez, c'est parti, je vous montre mon armée. Donc du coup, la problématique de cette table, c'est qu'il y a énormément de couloirs de ligne de vue potentiels. Donc j'ai dû jouer petit bras en déploiement. Et en même temps, je voulais pas enfermer toute mon armée ici. Donc j'ai pris le risque de me dire que potentiellement, il y a une Nemesis qui pourra se faire shooter T1. Donc du coup, le grand maître, celui qui a le sigil, donc il pourra partir. Donc techniquement, s'il vient là et qu'il me shoot, je pourrais partir s'il faut. Je l'ai accompagné de thermis qui sont plutôt pas trop mal protégés. Avec le Librarian Pepito, c'est celui qui a plus un à la charge. Ici, il y a une Nemesis, je pense que c'est celle qui est le plus en danger, parce que notamment ici, il y a les Dominions qui sont là, qui vont avoir un mouvement scout, mais ils se sont déployés après moi malheureusement, j'ai peu de pause. Les strikes qui sont là, qui pourront mouvement de scout, soit ils pourront avancer si je dois aller faire quelque chose au milieu de la table, soit ils pourront backup et passer entièrement derrière le mur. Et après ici, il y a le gros de mon armée avec deux packs de thermis, un avec le Libby, un avec Drago et deux armures qui sont cachées là derrière. Normalement ça c'est safe, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc vraiment la pièce qui est en danger si je commence pas, c'est celle-là. Après il y aura retour de bâton, c'est-à-dire que s'il vient et qu'il s'engage pour essayer de shooter cette Nemesis, derrière, il y aura retour de bâton. Voilà pour moi. Vostro, la parole est à la défense. Déploiement assez standard. On a écarté les lignes parce que beaucoup plus d'unités que lui. J'ai un Castigator ici pour garder un œil sur l'objectif. Je me suis pas déployé pour gérer l'armée adverse puisqu'on sait qu'il peut partir, revenir et tout ça. C'est lui qui va faire ce qu'il veut. Donc j'ai déployé par rapport aux objectifs surtout. Donc un gros bloc ici avec du corps à corps, les filles de CAC. Qui seront ici. Je vais avoir un autre Castigator de ce secteur-là avec Morvenval pour couvrir un objectif qui est assez proche de chez moi et à l'endroit où il peut le plus se cacher pour que s'il y a besoin d'aller push vers chez lui, que j'ai quand même des unités qui puissent tenir. Et après, sinon, là, on a un pack de rétributeurs bien caché, pareil, pour pouvoir sauter sur les objectifs au centre. Il y a des beaux couloirs, il a des beaux lance-flammes, donc voilà quoi. La totale quoi. La totale. Ok. Petite question, je reviens au micro. Benji, tu veux le T1? Par définition, le GK ne veut pas le T1. Et encore moins sur ce scénario où en fait les objets vont, vont sauter et à la fin il y en a un qui va valoir 15 points. Donc je pense que tu as vraiment envie de finir. Donc non, je veux pas le T1. Et Vostro? Encore moins que d'habitude. Non plus. Ouais, personne non plus. Le veut. Okay. Pas sur Supply Drop. Pas sur Supply Drop. Bah, choisissez vos couleurs, les gars, respectives. Moi, je vais prendre un dé de fois. D'abord, il faut tirer et savoir quels sont les objets qui partent. Non, c'est après l'initiative, ça. C'est après l'initiative.
Non, c'est après le déploiement, mais pas après l'initiative. Après le déploiement. Après le déploiement. Juste une petite chose, je tiens à le préciser pour le live. À partir de maintenant et pour toujours, la cloque sera mise en place sur la Super League. Donc, nos deux joueurs vont jouer avec respectivement 1h30 de jeu, passer les déploiements. Donc, ça commencera qu'une fois que l'initiative sera lancée. Voilà, avec la cloque, les problèmes s'en vont. Voilà, c'est le et vous pouvez du coup déterminer l'alpha et l'oméga. Allez, donc celui qui part en premier, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, celui qui part au T4. 1, 2, donc ce sera celui qui est là-bas. C'est le premier qui part. Je vais vous laisser un petit 4, je ne sais pas s'il sera très visible, mais comme ça au moins vous avez un œil. Mets le token jaune pour celui qui reste, si tu veux bien. Non, mais là je vais mettre le 5. Ça va 5 ou pas? Ça se voit pas. Mets un truc d'une autre couleur. Alors le jaune, le vert, c'est celui qui part en premier, donc ça sera le 4, comme ça nous on le sait. Ouais. Top. Et le rouge, c'est celui qui partira T5. C'est celui qui reste T5. Non, qui partira T5, comme ça on le sait, c'est plus simple, on aura juste à lever. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas voilà. Ça les règles. Ben si, parce que là il va dire celui qui reste et je mettrai sur l'autre. Ok, donc 1, 2, 3 c'est celui-ci qui reste, 4, 5, 6 c'est celui-ci qui reste, ok? Ah, j'ai raté la table. On le prend quand même, non? Non, je vais. On le reroll? Ouais. Ok. Donc c'est celui-là qui reste, donc lui partira T5. Ok, donc le point fort c'est là. Morvenval qui est là. Tiens, c'est le côté où il y a Morvenval. J'aurais préféré le 3 qui était pas dans la boîte. Je pense que là c'est pas mal pour toi. Ok, donc c'est celui-ci qui reste, donc la partie va se polariser à mon avis ici vers la fin de la game quoi. Ok, super. Eh ben les gars, je vous laisse prendre un dé pour savoir qui veut prendre l'init. Ben j'aurai un dé deux fois. Putain, il a un dé deux fois. Il a un dé deux fois. Ils font des 6 ou ils font pas des 6? Ils font ce qu'ils veulent. C'est Vostro qui les commande. Ils sont télécommandés ou pas? Ils sont téléguidés. Il a une petite. Moi, vas-y, tu commences ou tu veux que je commence? 4. 4, c'est pas mal, 4. Attention. 4 sur la fois. C'est moyen que 5. 2. Ah, je commence pas, ça me plaît. L'empereur protège? Ouais, du coup, je vais faire. Tu vas faire ton scout avant. Allez-y, faites les scouts move et on lancera la cloque après. L'empereur protège quelqu'un, c'est sûr. La sainte relique est derrière moi. La sainte babouche? La sainte babouche. Bon, tu peux faire le bruit du moteur vrombissant ou pas? Boum boum! Boum boum! Font les rhinos. C'est normal les conteneurs pas symétriques? Non, ouais, effectivement, t'as des conteneurs là. Là? Oui, non, regarde, là. Là. Ah, c'est pas pareil. Ils sont là, les conteneurs. Ah, vous me le dites maintenant, une fois que j'ai déployé mon armée? Les gars, j'en sais rien. Les gars, moi je suis arrivé à la table, elle était faite. Une fois que j'ai fait mon scout. Mais attendez, j'aurais pu mettre toute mon armée ici, vous rigolez ou quoi? C'est sûr, c'est pas la même. Ah, j'avais prévu mon scout move pour venir comment ça. Et là, il y a une partie serre. Redéploie si tu veux redéployer, parce qu'effectivement, ça peut être chargé pour toi. Non, mais c'est moi surtout, je pouvais mettre toute mon armée là. C'est ce que j'ai dit au début, j'ai dit, je galère à me déployer. Je comprends mieux. Ouais, maintenant, c'est un peu plus caché, quand même. Je t'en prie. Ouais, mais toi, tu pourras revenir en fait. Moi, non, c'est fini. C'est fini, tout ce que j'avais prévu pour être. Ouais, ils vont aller se cacher, hein. Attends, on mesure. Tu vois ? Elle mesurait 16, il y avait. Ça s'en va, ça se cache. Hein, on s'est dit, s'il y a un petit arrêt adénial qui sort, c'est pas mal, mais c'est non. C'est pas mal. L'arrêt adénial, c'est pas mal. Alors, mais jouer, pas arrêt adénial, mais jouer en dernier, ça me va aussi quand même. Donc, Vostro a eu une excellente idée. C'était de mettre un petit J1 à côté du joueur 1. Ouais, je trouve que c'est fort. Il est fort. Et le coup des épées, ça pourrait être pas mal. Et il a mis les petites épées, c'est pas mal aussi. Les petites épées, c'est moi. Ah. Mais bon, parce qu'il a proposé, il a dit, il faudrait un truc. Et là, l'idée de génie est venue. Salut. Je tire les trucs. Moi, j'ai fini mon mouvement, c'est bon. Donc, on démarre la cloquasse. Allez, c'est parti, les gars. La game est officiellement lancée. Allez, c'est parti. Je te tire quoi? Poup, poup. Cleanse et bring it down. Ah. Ça va, cleanse. Alors déjà, je vais avoir un 6 parce que j'ai le triomphe. Début du tour. Bim. Allez, ça commence. Dead miracle, début de tour. Ça serait un 5. Allez, ça commence. 4 plus, dead miracle. Non. Ah, non. Si je réussis un test de co, j'ai un dé de miracle. J'ai réussi, j'ai un dé de miracle, j'aurai un 4. Ah bah t'as 6, 5, 4, c'est pas mal quand même. Vu que je suis scorpion, j'ai... Et que je suis ascendant Gémeaux. À 20h03, j'ai un 6. Et en même temps, tous les dés qu'ils ont enlevés aux Zelda, ils savaient pas quoi en faire. Ils se sont dit, tiens, on va les mettre dans celui-là. Donc les amis sur le chat, Vostro, joueur 1, a tiré Cleanse et... Le deuxième, s'il vous plaît. Brig. Et bring. Break it down. Cleanse et bring. Et break it down. Et break it bad. Bring it down. Je vais mettre le plus de move.
plus de moves, c'est fort. Hein, ça. Arrête de taper sur la table, Vostro, par pitié. C'est vrai. Et je vais mettre autre chose, parce que j'ai autre chose, mais quoi? Qu'est-ce qui est intéressant? Toi, tu vas pouvoir partir en faible là. Je vais mettre le Phil Pain 6 en bleu. Pas mal. Pas mal. Si pas autour de... Move de pro player. Tout le monde, là. Putain, qu'est-ce que t'es fort à ce ça, jeu. Ça, ça, ça. Qu'est-ce que t'es fort ce jeu. Je l'espère bien. Benji, il brille de plus en plus par ses punchlines, je trouve. Ici, je trouve qu'en termes de punchline, Benji, il a level up depuis qu'il nous fréquente. Bien sûr. Tu sais, je vous ai attendu, les gars, pour... Et je pense que le t-shirt rouge lui donne encore plus de punchline. Ouais. Normalement, le bleu me va mieux, mais le rouge, c'est pas mal. Je vais bouger de 10 pour voir ton petit ternis ici. Le bleu, ça fait ressortir mes yeux, tu vois. Il y a Quentin Langlais qui dit « Salut, petite question, les Nemesis ne sont pas celles de Games Workshop. Je pourrais savoir d'où elles viennent. Merci pour ce week-end. J'ai 3 gros boulot, c'est top. » Alors, les Nemesis sont effectivement pas celles de Games Workshop. Alors, petite précision, ce sont les Nemesis de Games Workshop. Elles sont structure de Games Workshop. Voilà, à 75%. C'est juste que j'ai enlevé le porte-bébé et que j'ai imprimé ce kit qui existe, en fait. Et voilà, qui monte. Mais ce sont celles de Games Workshop à 75%. Et si le kit t'intéresse, tu vas sur le Discord de Creative Wargame. Il y a un salon 3D mini. Et t'as juste à taguer Benji et tu lui envoies un MP et tu lui dis ce que tu veux. Exactement. Il te répondra dans les plus brefs délais. Je t'envoie des photos, je te montre tout. Voilà. Voilà. C'est facile à faire en termes de modélisme et ici. Tout. Et ouais. Par contre, ça coûte 473 euros. Non, je rigole, c'est pas vrai. Hors taxe. Allez, vas-y. 8 pas pour venir sur l'objet. Il va venir me casser la figure de suite, non? Non, vous avez une brique. Ici, on a dit qu'au mieux 18, mais après tu vas pouvoir venir FEP et tout ça, donc je vais commencer à balancer ça vers ici. Oh. Normalement, tu peux pas, en bougeant, tu pourras pas venir choper de l'os, parce que tu bouges à combien avec eux déjà? Tu m'as dit 14. 14, et je peux charger. Hein. 14, l'arrière du socle, 10. Je peux faire. Je crois qu'à 10, j'étais ici, en fait, j'avais calculé. Juste à l'arrière du socle. 10, je suis là, et après, je peux faire un 4, et après. 4, et après, charge. Ça va être... Donc, je vais mettre vers là, comme ça, tu n'auras pas de loss ici. Ça ici, ça ici. Loss, c'est line of sight, hein, donc c'est des lignes de vue. Pour les moins expérimentés en anglais. Il y a quoi à la fin de la command phase? T'as vu rien. C'est fait, j'ai fait un 3. Putain, il a fait déjà. Fait un 3. Ici, elle va bouger. Attends, elle va bouger de 6, de 8. Elle va venir se caler ici. Ça va être à 6 pas de ça. Ça va se mettre juste à 6 de là. Voilà. Ça va se mettre à 6 aussi de là. Voilà. Ça va bouger donc de 12, parce que c'est beau. Tu peux me mettre un doigt, s'il te plaît? On peut finir la game ou pas? Tu veux pas me mettre un doigt là-bas? De là à de là, la chenille à chenille. Et normalement, ça m'offrait la ligne de vue sur tes totors. Putain, c'est bien joué. Qu'est-ce qu'il est bien, le garçon. Il est fort, ce jeu, quand même. J'ai l'impression, quand même, Titi. Ici. C'est cool, c'est que tes tanks vont pouvoir tirer un tour avant de mourir. Ben, c'est ce qu'il faut, on n'en demande pas plus. C'est quand même cool. Après, ça... Avec Poulidor, ils ont pu tirer 5 tours quand même. Ils ont chopé. Ça, ça va advance. Je peux voir combien de thermis ça tue, hein. Ça avant de mourir. Est-ce que ça va advance? Non, ça bouge déjà de 8. Ah, faudrait plus d'un. Ah, parce que plus d'un, ça sert à rien en fait. C'est vrai, c'est ça. Enfin, moins d'un, enfin, un, ça sert à rien en fait. Un, tu te dis. Bouf. Si le mec il arrive, t'as fait qu'une blé, tu te jettes pas la vue, ça te dérange pas. De toute façon, il va revenir au début de mon tour. Bah si, en fait, tu veux rater la vue même, parce que tu veux gagner des pas. Putain, ouais, tu veux gagner des pas. Je vais faire advance les dominions. Oh putain. Oh putain, j'ai un reste de 1. De 1 plus 1, 2, parce qu'elles sont emportées, donc 2 pas de plus. Ça, c'est les retrieb one again. Retrieb, ouais. Oh, qu'est-ce qu'elles sont fortes alors. Tac, 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 ça, celle-là. Celle-là, elle va advance en utilisant le 4, comme ça je régénère un dé avec le chérub. Ça serait un 4. Ouah, c'est fort, avec le chérub, il a régénéré un dé, les gars. Putain, qu'est-ce que c'est fort. Et tu crames ton chérub pour ça, quoi. Bah, je voulais essayer de choper un 5 ou un 6, tu vois, histoire 2, mais comme ça, au moins là, je vais venir. Ouais, mais tu vois, 4, il roll 4. Il est stable, le garçon. Ouais, tu vois, je vais même pas, je triche, hein. Pas encore. Ben, après. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça s'est mis à 6 de L.
Et vu qu'elle avait la place de bouger, parce que pas de laine, ça va se mettre comme ça pour être A6 là, A6 de tout ça, A6 de lui, comme ça elle donne le plus de move là. Et ici, et qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? T'as du lance-flamme, si je fais le clean, si je prends les deux points de clean, après tu vas venir me cravacher. Frérot, hein. Toi-même tu sais. Toi tu sais aussi. Benji, ouais, il est pas comme ça. Benji, il est pas du genre à cravacher. 14, moi, je suis plutôt du genre à rester ici, au fond de la table, ouais, et à tirer. Et à laisser les erreurs, et à laisser les erreurs des joueurs impunis. Ça, ça va bouger. Ah! Ah, t'es comme ça, hein. On va bouger de 14, avec son cul, il arrive pile poil dans cette ruine-là, ici. Oh, alors, sur le chat, balancez vos pronos, là, sur la partie. Bon, il est entièrement dans le décor, hein. J'ai la grille qui m'emmerde. Balancez les pronos sur le chat, les gars. C'est ça, on veut savoir comment vous voyez cette game. Je rappelle que nos joueurs jouent sur Scorched Earth. Non, pardon, sur Supply Drop, donc c'est l'alpha et l'oméga. J'ai 14 en tout. L'objectif, ouais, en jaune, c'est celui 12, qui disparaîtra au T4. L'objectif avec le token orange, c'est celui qui disparaîtra au T5. Avant, bien sûr, je voulais débarquer elle pour faire le clean ici. Ouais. Elle, c'est celle qui sont dedans? Ouais, c'est celle qui débarquait avant. Allez, c'est bon ça. Parce que 3 pas, je vais être trop limité sinon après. En 3 pas, je peux dire, tu me dis. Tu me dis. Je sais pas, c'est ton calmette. Oui, tu vois, tu vois de ce côté, c'est plus proche de chez toi. Moi, je pense que si, mais donc elle débarque avant. Ouais, je pense que tu débarques avant. Elle débarque avant, elles vont bouger, je vais faire. Je veux éviter de me prendre ça dans la trompe. Sur la partie d'avant, les conteneurs étaient plutôt comme le placement de celui de Benji avant. Oui, mais parce qu'en fait, sur le déploiement, ça a changé le placement des conteneurs. Et oui, et donc, ils m'ont pas tourné mes conteneurs. Sur le sweeping engagement, ils m'ont laissé déployer le conteneur à bouger. Quelle bande d'enfoirés. Mais en fait, c'est parce que. En plus, je l'ai dit pendant 20 minutes. Hein. En fait, comme les mecs étaient en train de tchatcher pendant que moi, je fais tout. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez faire la table, mettre les objectifs? Vostro, il m'a dit, bah, tu nous as pas donné les objectifs. Et il s'est contenté d'aller fumer sa clope. Donc c'est moi qui ai dû faire encore. Les mesures, alors Cartman m'a fait les mesures, j'avoue. Il m'a dit, tiens, là-bas, c'est 18 et 10. Putain, les gars. Voilà. Non, mais ça va, vous vouliez que Vostro me lave, quoi. Voilà, je dois faire les pattes. Et je dois faire les objectifs, en plus. Putain. Et moi, j'arrive. Mais par contre, commander le bon nombre de réglettes, pas capable. J'ai déjà expliqué l'incident des réglettes. Ouais, il a été expliqué. On l'a entendu. Putain, j'y crois pas. Ouais. Moi, j'ai la mienne. Non, ouais, mais c'est ça. Moi, j'en ai plein d'ailleurs. Peut-être celle de Moscou. Ouais, j'en ai plein. J'ai ouais, plein ça, chez moi. Ça, c'est bon. Ça, c'est ça. Ici. Ok. Let's go, patato. Ouais, attends, je peux faire un. J'aurais pu faire un réactif move ici, en fait, là. Parce que ça descend avant, hein. Donc prends maintenant cloque, que tu bouges là. Le temps, attends, ouais, vas-y, mets-moi la cloque, vas-y. Si je fais un active move, est-ce que je peux sortir la ligne de vue? Jamais, ça sert à rien. Est-ce que je peux venir là pour après pouvoir chercher ça plus vite? Non, soit il s'en va. Non. Je pourrais partir. Si je pars, tu tires là-dedans. De toute façon, tu vas potentiellement tirer là-dedans. En vrai, j'ai envie de t'encaisser, hein, mais te tuer après. D'accord, c'est ton choix. C'est son choix. Ouais. Je reprends la cloque. Vas-y. Monsieur. Allez, je vais commencer avec le Casti-Kiki. Casti-Kiki. Qui va tirer dans ton sigil. Alors, tu peux me dire celui-là comment il tire? D6 plus 3. Ouais. Force 10, perd moins 1 in your cover. Dégâts 3. Ouais. 9 tirs de bolter lourd, missile tracker et storm bolter. Ok. Donc, on va faire perd moins 2 in your cover. Tu prends qui pour cible? Le sigil. Tu prends le sigil? Oui. Je vais rester. D'accord. Vas-y. Ok. Je vais claquer. Donc Benji décide de tanker le premier. Tiens, j'ai un PC. Ah oui, moi j'ai un PC. De tanker le premier Castigator. Je vais pas activer son sigil. Utiliser mon PC pour mettre plus un PA. Ouais. Et ben, j'utilise mon PC pour mettre pas de PA. Armure content. Ouais. Donc j'aurai quand même PA moins 1. Ignore cover. PA moins 1, je rends 3 plus. Allez. Vas-y. D6 plus 3. Ça fait 6 tirs. Ça fait blast, 6 tirs. Blast, mais est-ce que ça compte quand même que pour l'un? Non. Ça compte quand même que pour l'un. Sur du 3, je vais garder déjà 2 dés là. Ça touche 4 fois. Ça touche 5 fois. Oh, ça touche 6 fois. Ça touche 6 fois, propre. Force 10 sur du 3. Sur du 3, ouais. Ça touche 2 fois. 3 fois. 4, s'il te plaît. 4 fois. 4 save à 3 plus. Tanké. Propre. 4, 5, ok, 6, les 7, mecs sont en godmode. Ils vont 9. Pas rater un seul jet de dés, les gars. Bolter lourd. Ça me plaît, ça. Là. Il y a 1, 2, 3, 6. 3 sustain. Sur du 5.
Donc PA2 qui passe PA1. 3. 2. 2 PV. Et le tracker. Touche pas. Si. Touche à 2. Ouais. Et il va te blesser. Il va te blesser à 4. Pourquoi la PA2, le bolter lourd, Vostro? Parce que j'ai mis plus un PA supplémentaire. Mais moi j'ai mis moins un PA. Après, il a le moins un PA. Oui, t'as le couvert, mais je te donne juste les trucs. Bah donc ma save elle était bonne alors. Ouais, elle était bonne. T'as pas de PA sur le bolter? T'as PNS? Si, t'as. Non, j'ai fait 2. T'as pas moins un, mais tu tires pas le couvert avec le bolter lourd. Mais. Oui, donc c'est bon. Ah, c'est ça, j'ai réussi ma save en fait. C'est donc j'ai pas save à faire avec le. Ok, donc j'ai pas pris de PV en fait. Ouais. Et là j'ai une save ratée cette fois-ci. Ok. Ouais, raté, je vais te mettre, est-ce que j'ai besoin d'autres dégâts? Est-ce que j'ai besoin d'autres dégâts? Besoin d'autres dégâts ou pas besoin d'autres dégâts? Allez, je te fais des 6. T'as pris combien de PV sur la dread? 2. 2 PV. 2 PV. Il lui en reste donc 11. Il m'en reste 11. Je comprends pas, en stade ça passe, lance, le gantelet. Je vais passer sur le... Ok. Et le Stormbolter, c'est très important de le faire. Il y a 2 chaque tirs. PV compte, ma mère elle m'a dit. Tirs. Une. Non. T'étais à ça, hein. J'étais dans, à ça. Dans l'œil. J'étais au fameux doigt de tout à l'heure de... Regardez-les, les deux, là. Ça. Ouais. Full là. Allez, vas-y. Pas d'ignore cover intéressant, donc non, full là. Je commence par le bolter lourd. C'est beau. Rien. Je te fais les deux... Les multifuseurs. Essayez juste de faire un effort, les gars, de citer les unités que vous tirez. On est là, on est là. Immola Torque. Non, vous avez dit là, ça tire là. Ouais, juste avec les doigts. Il aime bien jouer. Ouais. Ici, on est Immola Torque sur l'armure qui blesse en 3. Immola Torque sur la Dread Knight, les gars. Ouais, tu me blesses en 3. Reroll parce que tout nique. Allez, vas-y. Reroll. 2, s'il te plaît. 2 invus. Vas-y. Tu 6 ou pas? Si je suis à plus 2, ça va faire 8 dégâts. 8 PV. Je vais te mettre 7 PV déjà. Allez, mets-moi 7 PV. Il m'a mis 7 PV dégâts. Et le missile tracker. Vas-y. Piou. Il touche. Tain, tout qui touche, hein. Il blesse pas. Il blesse pas. Okay, 7 PV. 7 PV, il lui 7... en reste donc 5. Il m'en reste donc 5. 5. 5 de mayo. Putain, c'est pas beaucoup, hein. Non. 5, c'est peu. Ici. Non, 4. T'as pas regardé la vidéo hier ou quoi? Je vais tout mettre. Vostro, cite les unités, s'il te plaît. Donc, c'est ce le truc. Castigator. C'est ce truc. C'était mieux. Le Castigator autocanon va tirer sur les. Terminator. Terminator rouge. Super. Je mets tout sauf le tracker. Bien ouais. Sûr. Donc, je te fais déjà les. L'autocanon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vérifie quand même. Bon, dans 24, on est bon. Sur du 3. On est tipard. Sur du 3. Oui, on rappelle que le winner de la game, gagne full un voyage reroll. En Turquie. Effectivement. Ça t'en fait 5 PA-1, s'il te plaît. C'est ici. C'est l'autocanon sur eux. 5 PA-1. Ouais. Donc à 2 plus, je suis à couvert. Ouais. T'as 2 morts. Genre à 2 quand même. Ouais. C'était les oranges ou les rouges? Les rouges. Les oranges, je les vois pas. C'était annoncé en amont. C'était les rouges, on s'en fout. Bolter lourd. Vas-y. Il y a 2-6 pour 2-2. Je lève celui-là. 4. S'il te plaît, sur du 2 aussi. On a une première 4, annonce dans les scores, on nous dit 11-9 pour le GK. C'est bon. Missile Tracker, il n'y en a pas. Et Stormbolter. Ha! Regarde, j'ai déjà fait mes deux as, c'est bon. C'est bon. Ouais. Allez. Et c'est bon. C'est tout ce que tu peux faire avec ton armée de tir. Est-ce tout? Non, c'est pas une armée de tir celle-là. C'est une armée de la ça, foi. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça va pas pouvoir tirer. Je clean ici avec. Je clean ici avec. Donc, clean à 4 points pour Vostro. Clean à 4 points pour Vostro et pas de Bring. Est-ce que tu je gardes? Je défausse Bring pour donc, un PC. Tu défausses Bring. Taper un PC. Tu remontes au PC. On valide les 14 points pour tonton Vostro. Ok, et moi je vais tirer. Attends, il faut que je m'en aille avec mes unités, pardon. Faites suite la cloque, les gars. Pensez-y. Ça y est, il a mis la mine. Je te génère un des miracles. Vas-y, fais. Ça bouge pas. Ça peut faire. Vous êtes bons, les gars, vous êtes bons, j'adore. Là, ça c'est une game comme je vois. Là, on est dedans, là. On est dedans, les gars, on y est, là. Ça y est, on est en plein dedans, là. Vous vouliez être dans le brasier, vous y êtes. Des petites sœurs roses qui se battent contre des gros mecs en armure de métal. On y est. N'oublie pas que là je peux faire 2 actes au foie et que ça se transforme en 6 au tour. Ouais, tu peux faire 2 6. Ouais. Qu'est-ce qui va bouger ici? J'ai pas vraiment besoin de bouger. Morven Van elle bouge 2. 8. 8, donc normalement elle peut choper des trucs de tir en tout. Est-ce que je tue des castilles avec 2 armures? C'est pas gagné quand même. Hein.
1 du 10. Ouais, c'est 1 du 10 et machin. 1 du 10, c'est culé. Faut que je te deny si t'es pas sur le même jeu. Si, faut que je tue des trucs ici, il y a les répliques. Les amis, je vous rappelle que nous sommes sur YouTube. Pensez à claquer le compteur de pouces bleus. Il faut savoir que le live actuellement est à 3270 vues dans la journée. Il n'y a même pas 200 likes. C'est excessivement peu en termes de ratio. Faites un effort, les gars. Faites un effort, mettez des petits likes sous la vidéo. Là, t'en as pas, tu m'as dit. Ça fait plaisir. Si, j'en ai, mais je l'ai pas. Ah, tiré. Tu l'as pas tué, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Tous. Si, j'en ai partout. Je vais stick mon objet là avec les. Ah, il faut que je tire mes trucs. Attends, j'ai sorti ça, là, ça je laisse. Ça je laisse, j'en ai besoin là, ça je laisse. La question c'est est-ce que je sors ça? Est-ce que je sors est-ce ça? Est-ce que je sors ça? Est-ce que je sors ça? Ça, ça va aller tuer ça. Du coup, ça va venir là, donc ça pourra tuer ça. Je vais sortir ça aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est bien de sortir ça aussi. Je fais ça aussi. Ok, j'ai sorti tous mes thermis. J'en regagne un, donc il n'y en a qu'un de mort. On est parti. Je vais tirer l'émission. Je tire Mark for Death et No Prisoner. Mark for Death, vas-y, dis-moi. Donc, vu que tu peux pas arriver... Attends, on va quand même le confirmer. Je te mets sur ta cloque. Vas-y. Tant que tu choisis ce que ici, on est ok que tu peux pas arriver à 3. Ouais. Donc, je vais te mettre un Mark for Death sur ça. Ouais. Parce que tu peux pas arriver. Ici, à 3 pas... T'as regardé que je pouvais pas rentrer là, genre à 3 ici, là, en ligne, là, avec là, le là, gros... Tout le monde aligné, avec ton gros... Avec le petit socle, là, ouais. Non, mais regarde, comme ça, tac, 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 là, si avec je mets en ligne, à mon avis, ça rentre, là, 3. Là, oui, non, mais je parlais surtout... Ah, mais les gros socles, ils sont... Non, Mark for Death, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... En vrai, est-ce que je t'oblige à vouloir aller sur les castis automatiquement? Tac, 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 tac... Je vais mettre le Morvenval, ça, c'est sûr. Ouais. Alors, Faf et Fur. Je vais mettre Morvenval, je vais mettre le Triomphe, unité 2. Mmh. Mmh. Et en troisième unité, je vais mettre les... Alors ici, tu peux rentrer à 3, tu vas pouvoir faire full tir là-bas. Je vais mettre... Je vais mettre le Limolator. Limolator ici? Ouais, on est obligé. Ok. Non, celui-là, c'est celui qui est mort. Vas-y, d'accord. Remets chez moi. Ok, bien joué, je pense. Vous préférez que tu mettes un truc là? J'ai hésité, mais vu que tu peux rentrer là, tu peux rentrer ce matin. J'avais un truc. Du coup, ça me donne moins envie d'aller là-bas. Parce que c'est quand même cool d'aller là-bas, mais... Mark for Death et nos prisonniers, on y va. Okay. On y va. Donc, j'ai stick cet objet. Tu viens de te casser la gueule. Si on peut te souffler un peu dessus, nanani, nanana, tu peux me faire des 6, machin truc. Si on a une charge facile. C'est sympa de changer un peu de caméra de temps en temps. Tiens, tac. Bim. Je pense que je le tue pas, mais je peux quand même bien l'abîmer. Après, je me prends ça dans la gueule. Mais de toute façon, ça, il faut bien falloir que ça descende à un moment donné. Pardon, je t'ai bougé ton truc. Voilà, putain, bouge les filles, là. J'ai bougé ton bonhomme. Oh, on est où, là? Monnier. C'est de la tirer. La prochaine fois, il vaut mieux le tirer vers moi en fait. Là, t'as OC2, c'est ça? Oui! Donc, si je viens mettre mes strikes dessus, t'as toujours OC2. Toujours OC2. Ça ne changera pas. Ça. Un strike et je t'enlève et je te bloque un peu tes répentias. Un strike. Mais après, je meurs. Oui. Mais c'est pas grave, 5 strikes pour des répentias qui descendent et qui meurent, oui. C'est pas mal. C'est tout à fait. Le trade est bon. Je vais courir avec mes strikes, on va voir où est-ce qu'ils vont aller. Allez, ils font un joli 2, donc ils pourront. 26 auto avec tes strikes. Oh putain, c'est vrai que j'advance de 6 auto à chaque fois. Faut que j'arrête de jouer custo, je n'advance que de 2 tout le temps. Mais peut-être que plus 2, ça fait 8 par contre. Ça, c'est pas mal quand même, parce que je viens, je deny. Je te fais faire. Ça me plaît de deny quand même. Et puis je fais un petit rideau pour les petites répentias. Ouais, j'ai compris. Ouais. Ouais. Oh, tu pourras descendre par là, passer par là, mais ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est... Vostro, tu me dis quand tu veux que je t'amène ton assiette de pâtes. Hein.
Bah écoute, pour le dessert, je pense qu'un petit peu de pesto, pesto, panzani, panzani, pesto, pesto par-ci, pesto par-là. Vous avez laissé un pesto, c'est bon. Il a proposé toutes les sauces. Et si je peux en choisir qu'une dans mes pâtes, je préfère. Elles peuvent tomber, on s'en fout de cet objet. Vous me dites les gars si vous voulez un truc à boire. Hein. D'accord. À moi. J'ai pris des gobelets, ça sous-entend qu'il y en a un qui propose que de l'eau. Ok. Hashtag pas très intéressant. Hashtag j'aime pas la rouille. Hashtag j'aime pas la rouille. On n'est pas en alerte canicule, faut pas déconner là. Oh. Déjà que Ricard il nous a fait des bonnes là. C'est bon. Putain, elle est bon ce Ricard quand même. On va se calmer. Quand même, les ce Ricard est bon. Ils ont... T'imagines combien de millions le mec il perd là. Ah mais il a essayé, ils ont annulé. Ils ont annulé. Ils ont annulé le soir. Ils ont dit finalement. Le soir ils ont fait. Finalement non. Merci pour tout le boulot de ce week-end la team. Eh ben écoute, merci à vous les gars de nous suivre, ça fait plaisir. Le petit compteur de like a augmenté les gars, on est passé à 210, c'est encore un peu léger mais on sait que vous allez nous saucer au fur et à mesure de la soirée. Je vous rappelle, j'en profite d'ailleurs, je fais le petit rappel TTA pour ceux qui comprennent ce langage. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui comprendront, mais moi je le comprends. Le petit rappel pour vous dire que les objectifs, les zones de terrain, le tapis de jeu ainsi que le set 2D Creative Wargame est disponible à la vente. Vous avez les liens dans la description. C'est un excellent moyen de nous soutenir. Et en plus, l'achat de ces produits-là vous donne accès à la playlist Prime, les amis. La playlist Prime dans laquelle vous retrouvez la rediffusion de l'entièreté de cette Super League, puisque la rediffusion de la Super League sera que disponible sur la playlist Prime. C'est aussi à nous une façon de récompenser les gens qui nous soutiennent, parce que notre média a besoin de vivre et c'est la vie. Et il y a un moment, j'allais te dire, Vostro, il mange des pâtes. Les pâtes, ça pousse pas sur un arbre. Donc voilà, n'hésitez pas, à nous soutenir. Vous pouvez nous soutenir en achetant le matériel de la chaîne. Vous pouvez nous soutenir en allant sur le Tipeee. Et vous pouvez nous soutenir aussi en faisant vos achats My Hobby Place et vos affiliations nos partenaires. Vous avez tous les liens dans la description. Vostro veut dire un truc. Je l'ai fait la pub aussi pendant le live. Allez, bien joué. Bravo, Vostro, putain. Mais Vostro, il se trompe de boutique. Il n'y a pas de réglette. Là, dit, ça serait pas des pinceaux. Tu me dis quoi? Je ne sais pas, vous dites de. Prince Auguste. Ça serait pas du matériel Prince Auguste? Non, pas du tout, c'est du Harry Painter. Ah, dommage. J'avais tenté une ouverture pour un placement pour lui, mais c'était raté. Non, c'est très gentil. Merci, Vostro. Merci à tous ceux qui ont déjà joué le jeu pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui vont le faire dans la soirée. Merci à ceux qui le font maintenant. Oh, merci à toi. Je vois que tu as cliqué. Bien joué. Je vois que tu es sur le lien de la description. Bien, je vois que tu es en train de faire un petit paiement d'un set d'objectifs Team Creative. Je te félicite. Tu as donc accès à la playlist Prime. Bravo à tous. Voilà, allez, trêve de... Il voit personne, c'est des conneries. Trêve de quoi, Cartman, je pourrais dire. Trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Tout ceci a assez duré. On retourne immédiatement sur la table, voir ce que nous propose... Vu qu'on est dans les remerciements, je remercie Clément, qui est un membre de la communauté, qui m'a donné son code du codex Sista, grâce à laquelle je vais pouvoir faire la review, et donc avec qui j'ai partagé pas mal sur la liste Sista qu'on va tester là. Grande classe. Il m'avait donné l'idée de l'Army of Fate, savoir ce que j'en pensais, donc j'ai pris le temps d'analyser, puis j'ai essayé de sortir quelque chose, donc on a pas mal échangé. Donc je remercie Clément, qui merci est Clément. Présent aussi sur la Discord. C'est pas, il y en avait un tout à l'heure, Clément Delerue, ça te parle, c'est pas lui? Alors moi, son pseudo Discord, c'est Clément. Ok, donc c'était peut-être pas lui. Ok, en tout cas, merci. D'ailleurs, j'ai passé l'annonce sur la dernière vidéo. S'il y en a qui ont des codes de codex dont vous ne vous servez pas parce que vous ne servez pas de l'appli, même si je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, sait-on jamais, n'hésitez pas à nous les partager parce que la chaîne ne se dote pas de tous les codex. Si on a le plaisir, typiquement, par exemple, l'agent Imperium, honnêtement, j'avais pas envie de dépenser 30-40 balles dans un codex qui va pas me servir. Mais c'est vrai qu'avoir les codes sur l'application, c'est toujours utile, donc n'hésitez pas. Si vous avez les codes et que vous en servez pas, évidemment, si je reste coincé dans ton... ne vous soustrayez pas à vos codes pour nous saucer. Vous pouvez le faire aussi, ça fait plaisir. Mes défauts, c'est bonne idée. Les gars, on peut y aller ou pas? Mais on y est depuis le début. Je peux plus, moi, de vous attendre. T'es sérieux, tu nous attends? T'es un mytho. Oh, c'est bon. Benji, t'es un mytho. Allez, c'est bon, j'ai tout positionné. Mec, je suis mon métier, c'est d'arnaquer les gens. Bien sûr, je suis un mytho. On est au T4 là déjà.
Alors, vas-y, Benji, enchaîne. Hein. Alors, je vous explique ce que j'ai fait ou je jette des dés, là? Bah, explique si t'as envie. Bon, ici, j'ai mis deux armures ici et je suis revenu avec un pack de thermie. Je suis sur mon objo, il peut pas faire sur mon objo. Il y a tout le monde qui peut taper dans le cassis. Mon plan, c'est de tomber les trois gros véhicules qui sont là, d'accord? De deny, de lui faire faire zéro de primaire au prochain tour. Si je tue celui-là, ben, je marque 5 points en plus de Mark Fordes, c'est cool. Et là, il faut que je fasse de l'attrition parce que j'ai Mark Fordes et j'ai nos prisonniers. Ici, je suis venu avec le grand maître. Voilà, on va voir. Écoute, lui, il a pas bougé. Je veux pas que tu m'overwatch. Ça va. T'es collé au mur, donc je peux te charger et tout. Y a pas de ça va, non, c'est juste pour être sûr. Ouais, j'ai pas bougé. Donc, c'était volontaire. On y va. On va commencer par là. On commence par. On commence ici. Donc là, le Dread Knight sur le truc. Ouais, il a mis en même temps un pimpin ici à 18 pas. Exactement. Ça voilà. Je pense. Donc lui, non, c'est le Librarian pour le psy. Ah. Ok. Ici, on va commencer par la Némésis. Elle va, elle a toutes ses armes qui vont partir dans le Castigator. Lance-flamme. On va faire 9, donc 4. Ça rôle bien, hein. Mec, t'es pas prêt pour la chatte. Franchement, t'es pas prêt. Regarde, il y en a 2. C'est PA-1, ignore cover. Fais attention, si tu fais des AC et des 2, tu perds des PV. Ah, ça marche comme ça le jeu? Ouais. J'ai jamais rien compris. J'ai expliqué à Malik hier déjà, mais tu vois, là, t'as perdu un PV. Ah, d'accord. Ok, facile le jeu, quoi. Ah, vrai, j'ai les 6 gros tirs. T'es prêt ou pas? Non. 3 plus. Bam. On aura 2. Force 10, endu. 10. Putain, 10, c'est quand même la classe, c'est que du 4 plus, j'ai tout raté. Attends, additionne. 4, ouais, là, 10, 2 blesses. 10, ouais. Ok, donc lui, il a fini. On va tirer avec l'autre. 3D mini factory, les gars, regardez, c'est ouais. Magnifique. De... On va tirer avec l'autre, l'autre armure. Elle, elle a que les gros tirs qui sont dessus. On est en full touche. Je viens de faire 6-6 avec 6 dés. Pensez à commander ces dés. Vous vous rappelez, je vous parlais de mon quintuple As. Ben là, je viens de faire un sextuple 6. Donc c'est dommage, j'aurais voulu le faire maintenant pour blesser. Est-ce que je le refais? J'en passe 4 quand même. À PA-2, dégâts 3. Si tu les rates, t'es mort. Si après, je dis rate, ça comme ça, comme je t'aurais dit bonjour. T'es ignore cover, donc je te fais déjà ça. PA-2, tu m'as dit. Ouais. Donc déjà, j'en prends une. 3 PV. Tombe à 7 PV restants. Ça fait encore 3 PV. 3, 3, 6, 9, ça je peux 6. Pas mourir, donc si je la fais, ben, il me reste un. Il te reste un PV. Ok. On va faire directement le Libby. Le SMIC. Pas d'as. On va faire... bah, il a son tir, attends, on va faire combien son de dégâts, lui? Le Libby? Ouais. Ah, il... bah, c'est de la mortelle. Ouais, vas-y. C'est de la mortelle. Ouais. Déjà, il a son tir, donc il a le purge machin truc. Purge soul. Purge soul. Qui touche pas. Ensuite, il a du bolter. Moi, j'aimerais. La classe, ça serait de te tuer au bolter, en fait. Ouais. Parce que. Ça serait stylé. Ben, j'avoue que ça serait stylé. Psartek, le bolter. Ça serait de montrer qu'en fait. Un bolter, c'est bien. Bah, je te respecte pas vraiment, quoi, parce que je te déglingue au bolter. J'ai deux mecs qui tirent au bolter plus lui, d'accord? On y va. Moi, j'aime bien jouer avec mes copains. Mais c'est ce qu'il faut. Parce que tu peux les trolls à mort et tout, tu vois. Je et, pense que les bons clients, en plus. Mais grave. C'est sur du 6, il est là. Si tu fais un as, t'es mort. Ou un 2 même. Allez, mais. Un as. Ah, non, t'as fait un 6. J'ai voulu lancer le Libby. Le Libby, il fait son psy one again. Il a pas fait d'as, donc tu prends 2 des 3 mortels. Ouais, t'es mort. Ok. Et j'explose. Et pas, tu exploses. Ok. On a sorti un véhicule. Ça, c'est cool. Un dé de miracle. Un as. Un as, dommage. Ça a fait comme ça. On va passer ici. Ici, on va faire quoi? On va tirer avec l'armure dans l'immolator qui est devant moi. Donc, je vais lui mettre. Lance-lame, 2d6, ça fait 9. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. C'est sur du 5. On va enlever tout ce qui n'est pas un 5. Il y en a quand même 4 à PA-1. Ignore cover, donc ça il va 4. Ça fait 2 PV. 2 PV. Ensuite il y a les gros tirs. Les PV pour l'instant. Ouais. Que... Il y a les gros tirs à 3+, c'est pas beau. Et en du 10 aussi. Ouais. 4+, il n'y en a qu'une. C'est bon. C'est bon. Lui, il a fini de tirer. Ensuite, on va passer ici. Pardon, je suis plus sur la vitale. Autant pour moi. Excusez-nous. Non, c'est bon. C'est bon. On est bon? Vas-y, on est bon. Donc, on va passer au Terminator avec les Terminators qui sont merci, ici, vous là. Heureusement que vous trouvez là. Qui vont sûrement tirer là. Je vais quand même mettre tous mes tirs là-dedans. Sauf, et je mettrai le psy après, ici. Ok? Donc lui, il a pris qu'un PV pour l'instant. On lance flamme, c'est ça? Tu l'as mis. 2 PV, non? Ah, 2 PV, pardon. Oui, tu as raison, 2 PV. J'ai prévu 9, mon point. Ouais, ouais, 2 PV, c'est ça. Faut que je déglingue ça quand même. Ça sert à rien dans cette... Donc tous mes tirs là-dedans. On y va? Allez. Et on fera le psy après. On commence par le lance-flamme. Merde, j'ai raté la boîte. On recommence dans la boîte. Un tir de lance-flamme. Ça blesse. C'est PA-1. Oui, c'est sur les... Ouais, sur les petites, ça. Ça tue, une morte. Ça tue une fille. Ensuite, on a un bolter, deux bolters, trois bolters, quatre bolters, cinq bolters. Et je fais le bolter du patron. C'est du 3+.
merci. Et c'est du 3 plus encore. Tout ça, PA0. J'ai perdu. Alors, une, pardon, bien entendu. Bon, c'est là. Au niveau des saves, je vais faire ici. Et après, je passerai sur les deux. Vas-y, pas de soucis. Donc, allez, j'ai ça à faire de save, PA0. Vas-y. Je te fais déjà les deux, ouais. Les deux premières. J'en perds une, donc celle qui est là au fond. Maintenant, c'est sur la chef. Celle-là. Ouais, maintenant, c'est sur la chef. Elle est morte. Elle est morte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer encore une. C'est bon. L'autre, tu me prends l'as, s'il te plaît. Comme ça, ça me fait utiliser le chérubin. C'est celui-là ou celui-là, c'est pareil. Tu le transformes en 5, là. C'est ça ? Ouais. Okay. Transforme-le en 5. Ah. Parce qu'en fait, j'ai un chérubin. Et du coup, ça fait quoi ? Il va en 5, fait, c'était un 6. Ok. Ça devient un 6 parce que j'ai un dialogus. Et comme j'ai un chérubin, tu peux le lever. Lui, il meurt, en fait, c'est ça. Et donc, il m'en reste plus qu'une. Vas-y. Qui sera un 5 aussi, donc on est bon. Ok. Il reste le purge sol, là, je sais plus quoi, c'est à chaque ça. Fois. Qui touche. C'est force 6, c'est du 2 plus. Et c'est PA-1, c'est flat 3 je crois. Je crois que c'est PA-1. PA-1, je suis à cover. Ça parle ? Ou PA-2 peut-être. PA-2, flat 3 peut-être. Combien... Ouais, si vous pouvez vérifier. Enfin, en même temps, je suis en train d'aller. Attends, mais regarde, je lève le 2. Vas-y. Ça devient un 6. Ok. Un but réussi. Donc ça, c'est bon. Mais si vous avez le temps de regarder, comme ça, on saura pour la prochaine fois. Je vais faire le Libby. Le Libby, il va faire son psy dans le tank. J'ai fait un 6. Du coup, ça fait 2D. Non, c'est 2D6, ouais. 2D6. 2d6 dans le tank, prend 4 PV le tank. PA-2 ça ? Il lui reste 5. Il lui reste 5. On va faire le gars qui est là ? Ouais. Il va. Castille. Lui, il lui reste. Full. Je pense que je vais mettre un lance-flamme là-dedans quand même, parce que c'est quand même cool de tuer ça. Je t'en prie. On va mettre un lance-flamme là-dedans. Et attention, j'ai une figurine à couvert. Lance-flamme et les gros tirs dans l'autre. Donc le lance-flamme, ça fera 8, 4. Les listes sont disponibles sur le Discord, mon poteau. C'est du 2 plus. Il te faut mal les lance-flammes, en fait. Ouais. Ouais, c'est Même les bolters. Hein. Même les bolters, en fait. On est tipar. Ça fait CPA 1, 2, et il restera ma dialogue. Il reste la patronne. Ok. Et je gagne un dé de miracle. Tu gagnes un dé de miracle. Il sera un 4. Je fais les gros tirs dans la machine. Vas-y. Je fais full touche. Ça, c'est les petits canons lourds. C'est les petits canons lourds, toujours là-bas. Ouais, je suis full touche. À la blesse. C'est en du 10 et en Asie. Voilà. Toujours. Du 4 à la blesse. Je le reroll. J'en ai aussi 4 quand même, c'est fort. PA-2 et dégâts 3. Et c'est flat 3 chaque fois, ouais. Il n'y a pas de cover là. Il n'y a pas de cover. Non plus. Je te fais déjà les deux premières. Ça fait déjà 6 PV. Je vais passer un 5. Ouais. Et je vais passer un 6. C'est PA combien avec PA combien d'attaques avec ton cac. Alors lui, il a 5 attaques, mais il est en full reroll contre les véhicules et les monstres. To hit, wound et damage. Et dommage. Il va te tuer. Je la fais au skill. Donc ça fait 9 PV. 9 PV. Il lui reste un PV ou 2 PV, quoi, c'est ça ? 2 PV. On a un petit truc, on s'en fout. Tiens, regarde. J'en ai, j'ai tout monté. Ok. Ça a bien tiré, ça a bien gunné. Ah oui. On n'a pas les mêmes jeux. Écoute, il y a Drégo qui te voit avec ses copains là, on va te tirer dessus hein, si on te finit. Moi j'aime bien te finir au bolter en fait. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien me finir à la main. Au bolter c'est plus exotique hein, quand même. T'as pas de. Si, t'as de la courte. Ouais, j'ai Drégo qui est à courte. D'accord, on va faire Drégo, celui touche à 2 en plus et il est à courte. Il est en full touche. 6. Et. Il fait pas de 6. Il a un psy là. Ouais. Le psy, c'est 2 tirs. On a regardé hier. À 2, 1. Ça doit rien faire. Et après, il y a 1 mec, 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs. Et il y aura un lance-flamme. Okay, c'est sur du 3. On enlève tout ça. Et c'est sur du 6, on a dit. J'ai oublié un truc. Non, une. Non, mais il me semble que tu as plus de tirs. Parce que c'est à 24 pas que tu doubles tes tirs. Non, c'est à 12 que je double mes tirs. Ah oui, pardon. Ouais, bon. Il y en a juste une. C'est à 24 pour tir. Ouais, c'est une. C'est okay. Bon, et il reste le lance-flamme. Mourir au lance-flamme, c'est quand même classe ou pas ? C'est logique. 4. Mais c'est pas classe, c'est stylé. Merde. Allez, putain, j'ai raté les 2 et les 6 de la boîte. 2. Force 6. Ouais. Non, force 5, force 5. Ah, mais c'est une. En du 10. En du 10, ouais, pardon, il n'y en a qu'une. PA-1. Force 6. Force 6. J'ai dit quoi ? Force 5 ? 5. Oui, pardon, force 6, excuse-moi. Oula. Fatigue. Déjà. PA-1. Il est mort. Est-ce qu'il explose ? Attends, j'avais 2 PV. Je veux dire, est-ce que j'explose ? Ah. Non, mais j'avais 2 PV. Mais oui, si tu veux faire un rôle, je les deux, mais okay. Si j'en avais que. Il n'explose pas. Bon. Et ben du coup. Tiens, ça roule bien, hein, GK.
ZLK, c'est fort, hein. Je lui ai soulevé les deux castilles. Et l'immolator, il a 5 PV, je vais le charger maintenant. Et tu lui as soulevé les petites, là, c'était quoi qu'il y avait au milieu de la et map? J'ai tué les dominions aussi, donc j'ai enlevé les fuseurs. Ouais. Après, il y a les rétributeurs qui sont là-bas qui me regardent, mais... on va charger là. Ouais. Alors attends, je vais peut-être d'abord charger là. Que je t'ai dit en début de truc, hein, s'il a le... si j'ai le TE, c'est pas terrible. Bon là, elle est auto, en fait, en vrai. Non, mais c'était certain. Ici, certain. Alex, ouais. La Nemesis qui est là, oui. Elle charge l'Immolator. Et elle charge l'Immolator. Skill Overwatch. Il a 5 PV. Ouais, tu veux m'Overwatch ou pas? T'as un 6. En vrai, je vais essayer de l'Overwatch parce que de toute façon, il va mourir lui au cac avec 5 PV. Et que derrière, de toute façon, ouais, je vais tenter l'Overwatch. Fais-le, tant que l'a pas. Avec le LAS, ça fait quoi le fait que t'enlèves un LAS? C'est mes PC. Ah, c'était ton PC, pardon. Mais en tu fait, peux pas prendre ton 6 ou toi, tu veux pas? Si, bah attends, j'ai d'abord le bolter lourd. Ah, ok. Ah, je fais 2-6. Putain, il fait 2-6. Ça sustain. Il y a un petit au bolter lourd, putain. Sur du 5? Ouais. Il me respecte pas. Ah, il en a fait 1, 2, PA. Un. Donc, t'es entièrement PA, hein. Écoute, on y va. Il y a un monde où je te le tank. Et le... les deux tirs de multimelta. Tu les fais à la mano? Fat à la mano? Ah, la première. À la main. Ouais, non, deuxième, je prends 6. Le 6. Tu prends le 6. Maintenant, il faut blesser, monsieur. Faut blesser. À 3+. Maintenant, je te blesse à 3+. C'est Twin Link. C'est bon, ça. Ça blesse. Un vu. Ah, la vue à 4. Ah, putain, j'ai raté la table. Ah, la vue à 4. Pression. Pression. Voilà. Ah, il a tanké. Ah, enculé, il a tanké, gros. Oh, il a tanké Overwatch. Oh, il m'a le tank shock sa mère. Je sais que je meurs, mais après, je garde le... Je garde pour cela, tu vois. Je sais, mais... Tu aurais dû commencer avec l'autre là-bas. Mais non, parce que si je la rate, en fait... Tu t'en fous. Mais tu l'attends avec l'autre, je fais pas d'Overwatch sur des thermis. C'est dangereux, là. Tu perds l'adrénaline comme ça, comme un con. Ah, t'es content. Va voir le capitaine là après pour lui dire. Non, j'ai perdu une drainette sur le tir d'Overwatch parce que j'avais que 5 PV. Je suis pas d'accord parce que déjà tu me la tues pas auto, la preuve. Et ensuite ça t'a fait manger tous tes dés, ton PC, tout ça et tout. T'as craqué, ça t'aurait fait craquer un 4 et un 6. Enfin, bref. Ouais, mais je vais en récupérer plein là, après mon tour. Ouais, bah après quand t'auras plus d'armée. D'ailleurs, j'ai perdu le castigator là-bas. Vas-y, je te troll. J'en récupère un. Allez, un petit 2. Voilà. Je vois un 6 avec les Dialogus. La Dialogus qui est toute seule au milieu de la table, elle peut faire des 6. Avec les rétributeurs. Elle peut faire des 6, la Dialogus. Elle le fait que quand elle lead. Mais il y a l'autre avec les rétributeurs là-bas encore. Je vais quand même tenter la charge à 8 parce qu'elle est quand même, pour le coup, elle est cool en fait en vrai. Avance, ouais. Donc charge à 8. Ah, ce jeu est trop facile. Je vais tenter la charge à 8, il a dit. 10. C'est pas hier que t'as fait la blague. Donc plus 1, ça fait 11. Ça fait 12. Ça fait 11. Putain, ça me met presque mal, ça m'oblige à aller à 3 avancer en fait. C'est combien la stat à charge 8? Je veux dire, il a le document. En fait. Non, c'est moins que ça. Si, si, la charge à 8, c'est un peu moins de 50%. Ouais, c'est ça, ça doit être 48 ou je sais pas quoi. Ouais, c'est entre 45 et 50. Non, je sais pas. Ça équivaut à une chance sur deux, quoi. Normalement, une chance sur deux, c'est 7,5. Ouais, c'est ça. Charge à 7, c'est 52%. Après le reste, je m'en rappelle plus. Donc c'est un peu moins, ça doit être 48 ou 45 ou 46. Elle est un peu trop grosse ta charge. Elle est trop grosse, ouais, je pense que j'aurais préféré faire moins en fait. Ouais. On est d'accord. C'est ça d'être en mode petit. Ok, là je peux tenter une charge aussi ou pas? Bon, si elle rentre, on la prend. Ok, ouais, petit pas, point, on est sur le premier tour. Okay, Vostro est le joueur 1, Benji est le joueur 2. Vostro a engagé de la ressource. Et Vostro a perdu beaucoup de ressources. Il est obligé, frère. Il oblige. Et il n'a rien fait, il a rien fait en fait, sur les ressources qu'il a engagées, malheureusement. Je pars avec 15 points de retard. Tu es obligé, je suis d'accord. Je suis obligé d'envoyer. Je suis d'accord, Vostro, tu es obligé. Si là, ça passe au T1, que j'arrive à tomber ne serait-ce qu'une armure déjà. T'es bien, une armure en moins, t'es bien, ouais. Je suis obligé d'y aller. Si je marque pas de points en primaire, au secondaire T1 et que je perds les 15 points, j'ai un delta de 20 points. L'immolator, c'est peut-être un peu ambitieux, non? L'immolator. Bah, vrai, il m'a mis 7 PV quand même. En vrai, l'immolator 7 PV et ouais. je pense que c'est comme tout, c'est parce qu'il y a des fois ça fausse la stat. Ouais. Et c'est à une 4 plus près. Tiens, bah viens, on va commencer par la Nemesis dans l'immolator, d'accord? En tout cas, je peux vous assurer qu'on n'aura pas de problème de timing. 3 plus. Moi, je finis toujours mes games. J'ai fait. Oh là, je suis en train de le rater. Peut-être que je vais le laisser en vie en fait. 3 plus. Il y en a qu'une de marteau. Ouais, t'as les thermis après. PA-3. Ah, donc je fais un 6. Vas-y, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Non. Bah, c'est pareil, comme là tout à l'heure. T'as vu, je devais faire un 1, j'ai fait un 6. T'es mal polarisé, j'ai l'impression. Je suis inversé. Ouais, tu es dépolarisé. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de battre vraiment à l'envers. Dans Est-ce que tu exploses? Non. J'explose pas, je gagne un dé de miracle parce que c'est beau l'assista. Ce sera un 3. 3, regarde, 2, 3, 4. Bientôt j'ai la petite 8. Ouais, Yann C, je vais gagner par contre. Allez, vas-y. Du coup, ça fait max de points parce que j'ai fait max. J'ai fait Mark Fordes. Ça fait 10 de kill. Ouais. Ça fait 10 points de kill au T1. Ça fait très très mal. Et je peux pas aller. Alors eux, ils peuvent rien faire. Non, c'est pas. C'est 5 points, Mark Fordes, c'est pas 10. Mark Fordes, c'est 5 points. Ouais, mais il a fait 5 points de Mark Fordes. Non, mais il lève tout ce qui peut lui faire mal, il a bien raison, parce que si après. Exactement. J'ai commis pour enlever les gros canons. Il reste Morvenval, un gros canon, il reste les Repentia. T'as fait les 5 points de Mark Fordes là ou quoi? Oui, j'essaie, j'ai tué. Moi, j'ai fini mon tour. Attends, voir. Donc, t'as mis 10 points. J'ai fait 5 et 5, ouais, j'ai fait 10. Ouais, d'accord. Tu passes la main? Passe la main. Juste avant de faire le truc, je vais faire les vas-y, miracles. Vas-y. Je gagne un 6 parce que je suis beau. Putain. Si, il sur est 4 beau, plus, 4 il plus, s'appelle Vostro. C'est bon, je gagne mon 4+. Plus. Ouais, comment ça gagne? Début de tour, je gagne un 5. Si je réussis... T'as vu, t'as raison, tu m'as fait cramer tous mes dés. Combien il te reste de PC, toi? Et moi, là, j'en ai passé à 1. Un, t'as un PC, c'est ça? Si je réussis mon test de com, je gagne encore un. Mais c'est sans fin! Oh ben un 6! Oh enfin! 2, 3, 4, 5, 6, grande 8! Bam! T'as gagné! C'est fini! Et j'ai une paire de 6. Du coup, tu as scoré 0, je te tire tes secondaires? S'il te plaît. Vous êtes prêts? Roulement de tambour! Poup! Poup! Assassinat! Et Extend Battle Line. Assassination et Extend Battle Line. Donc il y a un perso là, un perso là, un perso ouais, là. Ouais, un perso Sigil. Il y a un Sigil quoi. Sigil! Je m'appelle Sigil! Vous avez pas vu la pub? Hey, je m'appelle Sigil. Celui qui fait les yaourts, là, le danois. Je m'appelle Sigil. Ah là 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 là. Alors, comment vous dire? Là, le problème, c'est que si je commit pas, tu vas encore renvoyer tes trucs, tu vas revenir où tu veux. On a vu que l'effet pas 3, ça allait être très compliqué. Ah, regardez, je dois extend battle line, donc je dois récupérer un autre jour. En vrai, je vais le faire. Je vais tenter de le faire. Je vais bouger ma dialogus. Tu veux Overwatch? Oh putain. Je me tâte à l'overwatcher, mais quand même... Vas-y, c'est un des miracles. Vous gérez la cloque, les gros, hein. Il est sur sa cloque, beau gosse. BG ouais. Il est beau, il s'appelle Vostro. Non, vas-y, je te laisse. Tous les jours, je te laisse aller sur l'objo. Je vais tirer Overwatch Force, après. Et Storm Hostile. Donc, j'ai Extend Battle Line qui est fait. J'ai annoncé Overwhelming et Storm Hostile. T'as fait une espèce de T1, mon gars, là. Extend Battle Line. Oh, mais il était chaud. J'ai fait 10 points, et surtout, j'ai enlevé des grosses ressources. Gars, t'as... En même temps, il les a mis au milieu de la table, hein. Il m'a cherché. Hein. C'est ça. Je pense qu'il est fatigué, il voulait rentrer tôt. Il s'est dit, il n'y a pas moyen que je revienne. Est-ce que j'ai envie de lever des thermies? Elle a 4 plus, me casse les couilles. Casse les couilles, frère. Ici, on va bouger juste de 8, on va faire ça comme ça. On va bouger ça ici pour avoir la losse là. On va bouger lui ici pour avoir la losse. Benji, il va aller en GK, j'en suis sûr. Et lui, je mets l'Ariège, je vais même pouvoir le mettre ici. Il est en god mode sur le GK, Benji. Comme ça, je vais avoir tout le monde qui va pouvoir tasmater sur ça. Mais en fait, tu sais que j'adore la GK, mais je joue pas parce que Alt-F4, il les joue, en fait. Ouais, c'est ma première armée. Ah, Jean, tu fais bien ce que tu veux. Oui, bien sûr, mais c'est pour dire, c'est ma première armée, en fait. Avant les custos, j'ai acheté ma première armée. Des lance-flammes. Ouais, c'est trop bien. D6, la première de tes 250 armées. J'en ai 8. 8 maintenant. Dis pas. Mais je vais m'arrêter parce qu'en fait, ce qui me manque, ça me plaît pas en fait. Chargé à 12, le style de jeu. Un peu moins, j'ai pas trop les armées de masse, moi en fait. Jean-Jean, ça me plaît guère, ça. Ça me plaît guère. Jean-Jean. Et alors, Jean-Jean? Et alors, Kiki? Ça me plaît guère. Et alors, Jean-Jean? Là, est-ce que j'ai moyen, comme il fait, lui, de large? Donc, il faut que je fasse 4. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir 4 pas? Non, je pourrais pas passer comme ça. Tu bloques là, je peux pas le bloquer. Je peux pas bloquer des trucs qui repartent en fait. Putain, c'est vraiment triste. Si, il faut les charger. Ça, je vais laisser ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que lui, il va juste se mettre là. Tu vois, en vrai, frérot. Il va se mettre ici à plus d'un pas de toi. Histoire de te faire un pucher sur l'effet pas 3, pourquoi pas. Je vais essayer de tuer déjà ça. C'est un truc qui arrêtera de spawner partout. Et le souci, c'est que là, ça rentre. Là, ça rentre. Là, ça rentre. Ça rentre tout seul. Là. Ça rentre toujours, de toute façon. Là, ça rentre, là il reste 5 PV. Putain, si j'avais eu un exorciste, j'aurais fait. Tu peux la tuer là. 5 PV, tu peux la tuer. Ouais, faut que. Faut choper de la ligne de vue, quoi. Bien ouais, GGK, on nous dit. Bien entendu, tu peux tout tuer. Bien ouais, je l'opège.
Et en vrai, est-ce que j'ai... C'est sandale. Il est où ton lance-flamme là-dedans? Il est là, 18 pas, mais même ça, tu vois, ça fait peur, quoi. Ça fait mal. Et lance-flamme ici. Comment te dire? Ici, il y a un monde où je peux... Il est toujours là, notre petit Sissou, il est sur le chat ou pas? Sissou, il est là. 11-9 pour le GK. Ouais, dit. Mais c'est il y a 2 heures qu'il a posté ça. Tac, ça va être compliqué. Il y a Kurs qui nous rappelle qu'il y a un voyage en Turquie à la clé. Oui. Pour une greffe. Ah, tu sens quoi? Je tiens pas mes cheveux. Une greffe. On sent que Vostro, il n'était pas emballé par la récompense. Donc il aime pas les Turcs. Donc là, 8 pas, je peux arriver là, ici. Je vais tenter ça. 8 pas, je vais mettre elle ici. Je vais mettre elle ici. T'as deux matchs compliqués des mains. Je vais mettre ça. T'es assez. Ici. Oui, t'es assez. En vrai, c'est un joint. 2 pas, tac, tac. 8 pas de l'arrière du sol. C'est cordon. Là. Il a de quoi les faire, la liste. Là. J'ai bougé là. Est-ce que tu veux faire quelque chose, mon cher ami? Pardon, j'ai pas suivi. Juste avant, je vais bouger elle, pardon. Je vais bouger elle ici. Voilà, j'ai bougé ça ensuite. Est-ce que tu veux donc là, ça c'est quoi? C'est les rétributeurs? Ouais. Ouais, c'est du place. Ça c'est du Melta One Again. Hein. One Again, Beast to Fly. D'ailleurs, j'avais la marge. Et lui aussi, il est là. Ok, je te laisse réfléchir. Je te laisse te réflexionner en ouais, vrai. Ouais, bah vas-y. Non, de toute façon, t'as plus de 9 là, j'aurais pu partir comme un nul là. Non, de toute façon, je vais attendre que tu me tires dessus. Dakodak. Ici, en vrai, je vais être obligé de venir ici pour éviter les FEP A3. Donc, je vais me mettre là pour pas que tu puisses FEP A3 sur l'objet. Pas de soucis. 8 pas de l'arrière du socle. 8 de l'arrière. Et ici. C'est bon, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Ça. Mais ça c'est bon. Ça, le problème, c'est que elle, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que j'aurais pu les faire bouger avant, faire 14 pas? 14, 14, 14. Putain. Ça va être intéressant. Est-ce que si je fais que 12. Il faut que j'arrête. Ça va me saouler. 12, je peux venir ici. 12, ça me fait une grosse charge. J'ai encore pas mal de figurines à prendre. Juste avant de bouger le triomphe, je bouge les. Vas-y, pas de là, comme ça, je pense. Vas-y. Je vais prendre de l'arrière du socle. Nous sous-saille. À l'arrière du socle. Et frileux quand même. Overwatch. C'est pour ça. Frileux Titi quand même. Pourquoi je te fais si mal cette dépendance là? Mais c'est 1 des 6. Hein. Ouais, après, il faut que tu sois 18, il faut que tu fasses gaffe 18 de là. Frérot. Ou si... 1 des 6, ça peut me faire 6 morts. Oui, après il y a lui. Hein, attention, si tu rentres dans la ruine, non, tiens, non, je verrai pas. Je suis pas dedans. De là à là. Non, ça fera pas 6 morts. Mais... De là à là. Je vérifie. Là, je vais elles sont fortes en plus, ici. Elles. C'est pas du CAC, hein. Il y a elle qui peut te taper. Oui, il y a la chef qui tape. Ah, celles de CAC, elles sont où? Elles sont dans la forêt là-bas? Non, il n'y a pas de CAC là ici. Il n'y a pas de forêt en plus. Non, mais je veux dire, dans la forêt, sur l'étagère. C'est celle qui shoot back. Ça. Mais t'en as quand même une avec la chanonaise qui peut taper. C'est elle. Attends, moi là, je vais partir par contre, quand tu t'arrêtes là. Attends, c'est à 9 que tu pars? Ouais. Si je me mets à plus de 9, t'es marron? Ouais. Il me manque beaucoup pour être à plus de 9. Si tu me permets, mets-moi la réglette. Alors, j'ai oublié que c'était sur toute l'arme. Elle, non mais elle, donc 9 et ça fait ici je pense. Par contre du coup je vais pouvoir partir là-bas. Tu vas pouvoir partir là-bas, ben non, ben on va faire le même truc. Mets-toi des réglettes, réglette ici, réglette là. Ouais, je me mets là en fait. Une charge à 9. À 9, à 9. Charge à 9. Voilà, comme ça au moins ici je vais pouvoir tirer au bolter ici. Ouais. Lance-flamme, c'est à la guise de l'imaginaire. Ouais. Ça te va? Ouais. Là, moi, pas de ouf. Toi, pas de ouf? T'as fait gaffe au 9 là? Ouais, c'est bon. Pas de ouf? Moi, pas de ouf. Ok. Et Pépette, elle reste dans la mobilette là, hein? Ouais, pour l'instant, oui. Ouais. Eux, c'est là. C'est quoi, T3 table rase, Mike? Non. Si je peux faire un T4. Non, Malik, c'était 4. Là, je vais tirer 2 ici, 2 là. Est-ce que tu veux, Sigil? Attends, pardon, excuse-moi, j'ai pas écouté. Ah, trop tard. Tout est dit, vous avez entendu le chat. T'en as dit 2 ici? 2 ici et 2 ici. Ouais, je vais Sigil. Sigil, je m'appelle Sigil. Bien un flex. Parce que là, t'as des 6, mais à gogo, mon salaud. Non, frérot, j'ai une Dialogus. Donc là, pour une Dialogus, tout ça, c'est des 6. Alors attends, il faut que je me repositionne à un endroit stratégique où je peux te la mettre. Si je viens là, est-ce qu'il y a des gens qui me voient? Ouais. Oui. Si je viens là, personne ne me voit.
Et après, je peux aller me faire le véhicule. J'ai prévu pour en avoir les trois là qui te voient là. Ouais. Grosso modo. Ouais, et là, si je suis la personne me voit, je fais un 9 et tout, après je rentre c'est ici. C'est exact. Après, je peux aussi être ici. Et repartir à ton tour après. Personne, mais là, personne me voit, et après, je peux aller déglingos ça. C'est quand même bien cool aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire les deux tirs ici. Attends, je me mets au bon endroit. Ça tire pas ce truc là. J'ai deux lance-lames. Ok. 19 pas. Je mets plus de 12, je peux pas me charger. 19 pas, est-ce que j'ai une ligne de vue? C'est toi qui me diras si j'ai une ligne de vue. C'est 18 pas, pardon. 18 pas, j'aurai. J'aurais là pour. J'y suis pas là. Attends, je vais mettre. Attends, je me mets pile poil à 18 moi. Moi, je suis pile poil à 18 de mon socle. Non, t'y es pas. T'es manque pas beaucoup. Voilà. Quand je vais tirer sur les Termitators. Donc, avec... tu tires sur les Termites avec deux mecs. Vas-y. Ouais, avec les deux mecs. Ça fait 4 tirs. 4 tirs, 4 tirs, 4 tirs. Je vais utiliser déjà un 2 qui se transforme en 6 sur les 4 tirs. Je régénère un 2 avec un des chérubins. Donc, déjà, il y a un tir qui passe. Chérubins sont là. Ensuite, je vais faire deux tirs à la main. Un qui passe en plus. Et je te fais encore avec le 2 qui se transforme en 4 avec le deuxième chérubin. Donc ça fait. Il y a deux chérubins dans l'unité ? Ouais ! C'est cheaté ça quand même. Ça fait que t'as 3 touches. Je te blesse en 2. Rirolas. T'as force 10 ? Ah non, t'as du 5. Donc en 3. Rirolas. Voilà. Et il y en a un troisième, pardon. Ouais, c'est, bien. Il y a c'est bon. Ok, donc 3, l'invue directe. Ouais, PR-4. Même avec le cover. Ouais, même avec l'armée of content. Ouais, même avec tout. J'ai rien mis d'ailleurs. Il mais... n'y a que l'âge du capitaine que j'ai pas déduit. Si tu étais en TTC ou en Ortax. Rappelez-nous, où est-ce qu'on tire là ? C'est les deux rétributeurs. T2. Vas-y. Attends, le premier, il meurt. Ouais. Le deuxième, il meurt pas. Il meurt pas. Tu m'as tué un gars. C'était les rétributeurs ici qui ont tiré sur les gars là. Ok. Ok, la cour. Non, je t'en ai enlevé lui. Ça, ça va tout tirer là-dedans. Ouais. Ça va tout tirer là-dedans, ça va tout tirer là-dedans. Oui, parce que dans tout cas, je te ferai pas assez de mal. Je te fais les 4 lance-flammes déjà. C'est en du 5 ou en du 6, ça ? De quoi tu parles ? Ça ? Non, c'est en du 4. 4, pardon. C'est du marine. En du 4 ou en du 5. Ouais, c'est du marine, mec. T'inquiète. Et encore 3D, 2D ici. On est sur du 4. No reroll. S'il te plaît. C'est fort. Juste attends, j'ai mon j'utilise le strata gratuit pour te mettre un anti à couvert. Ouais. Laisse tomber. Laisse tomber. Je veux pas. J'utilise pour te donner l'heure. Ok. Du coup, je suis à 2 plus quoi. Parce que je suis ouais. Ça va à 2 plus. Ça me fait un PV. Ensuite, il y a un pistolet bolter, 2 pistolets bolter, 3 pistolets bolter sur la chef. Piu piu. Piu piu. Ouais. Sur du 3, sur du 4. Ça en fait une s'il te plaît. Allez, une petite sauvegarde à 2 plus. Ah non, pardon, c'est le plasma qui tire maintenant. Bon, voilà. Il ne surchauffait pas, le plasma ? Non, je ne t'avais pas annoncé que c'est en début d'activation. Tant pis, on va tirer ici. Allez, écoute. Morvenval qui s'active pour tuer des strikes. Tu vois, comme toi, moi je te méprise aussi. T'as vu, avec mes petits bolters, je vais tuer des strikes. C'est... Ouais. Je vais te faire les 3 tirs de... Alors, est-ce que j'ai besoin de gagner des miracles ? Alors, ouais. Attends, là, ça envoie quoi en tir en puissance là c'est... Ouais. Il va y avoir les tirs de Melta. Les tirs de Melta. La section, est-ce que la je. Dois... À moins 2, des 3 dommages, les missiles. Mais va te les souiller, les 5 strikes. Bah, je sais pas, si je me mets en AOC. Vas-y, fais-le. Ouais, je vais être en PR-3 sur la moindre. Allez, je te laisse me les tuer, vas-y. Allez, je commence par les 3 tirs de. Mais prends pas cette habitude quand même. Attends, je suis à combien de pas de toi ? Combien prends de pas cette habitude. Est-ce que j'ai des mecs. Est-ce que je peux. Regarde, elle est à 12, tu vois. Elle est pas à 12. Je vais commencer par elle va faire son tir de pistolet en plus. Allez, vas-y, écoute, elle a un pistolet. Du coup, si elle fait pistolet, elle peut pas tirer avec les autres armes. Si, c'est ah ouais un archer, c'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais. Ah ouais. Putain, regarde, regarde. Force, jeu, putain. Elle touche à 2. Non, parce que, mais elle full reroll. Elle est full reroll, mais elle peut faire un as. Tu vois. On dit avant, j'étais pas aidé. Hé, hé, c'est un trollique, mec, je vois dans le c'est un trollique. Fait les tirs on le protège. Des petits, en fait, des moi, je connais la fin du film, je peux te raconter, mais j'ai peur, je peux pas pleurer. Je vous montre la centrolique. La full touche, c'est les missiles de téton des parangons. Force 9 en 3. Elle est là, la centrolique. Une. Non, full reroll. Ah, de reroll, putain. Regardez. J'ai reroll bien. 2. Ouais. T'as Benji. De la paire, ça. Regarde. Gros plan sur la centrolique. P1 à 3+. Benji. Ouais. Gros plan sur la centrolique. Putain, la centrolique, les mecs. Les tirs de Melta, parce qu'il y en a marre. Bon, pour l'instant, elle a fait la moitié de ses tirs. J'ai perdu 0 PV. J'aurais peut-être dû mettre mon marousé, hein. Ça, et je te blesse en 2 avec le... Oh là 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 là. Mais ils me voyaient tous. Ah oui, ils me voyaient tous. Faut le rire. Je les ai mis pour 5. Je me suis mis dans l'herbe. 5. PA-4, couvert. Ça fait PA-3.
C'est sur du 5, j'aurais dû mettre la haussée, j'aurais pas dû vous écouter. Ben, j'en perds 2. J'en perds 1, déjà, parce qu'il y a lui, et après des 6, ouais, vas-y. J'en perds 2. Allez, poup poup. Ensuite, Vorvenval. Vorvenval. Les deux tirs de missile. TGD, là aussi, ça ne servait à rien. Ouais, t'as fait un 4. Ouais, t'as fait un mec. Full reroll. 2, s'il te plaît. PA. PA 2. PA 2, donc PA 1. A 3 plus. Eh ben, tanké. Coup de son là, mes strikes. Et les tirs de. Franchement, vous comprenez rien ce jeu, mais. Et les tirs de Bolter, de Morvenval. Oh putain, mais fais un effort. 2 plus reroll. Je vais manic, tu crois plus. Je vais essayer de gagner les 6. Pas de 6, mais au moins full touche. Et je te blesse en 3, reroll. Ça, c'est quoi ça? C'est le Bolter lourd. Avec le dernier que je tire. Fort, cette coquine. Ça t'en fait 4 PA1 que. Et t'as craqué un dé, c'est ça? Ouais, c'est ça. 4 PA1, donc pas de PA. Ouais. A de plus, écoute, voilà. Ok. De plus, c'est fort dans ce jeu. L'escouade de Borvenvan, elle a tué 2 strikes. Eh ben, mais bien sûr. Fait, et encore, c'est parce que je vous ai écouté. Je pas des véhicules. Mettez que des strikes. Pas Terminator. Attends. Mais Terminator, ça meurt avec des petits tirs à la con. Ça meurt pas. Les gars, elle a 2 plus de 16. Ben oui. Mais je vous dois pas vous écouter, en fait. Putain, les gars, vous comprenez rien. Le missile va partir sur lui. Le gros missile, là. Putain, c'est dur, ça, quand même. Allez, vas-y. En 2. Il a raison, il faut qu'il utilise avant que je le tue. En 3. Mon avis ? J'arrête de jeter des dés. C'est trop compliqué ce jeu. Mon avis ? S'il te plaît. Allez, voilà. Désolé. Moi, j'arrête de jeter des dés. Ah, je suis obligé. Je suis obligé. Je pose des dés. Mais moi, je l'ai posé aussi, en fait, mais en roulant. La sainte relique protège. Allez. La sainte relique. Sur le chat, envoyez un maximum de hashtag sainte relique. Phase de charge, cher ami. Allez, vas-y, on est où ? Phase de charge. Phase de charge. On va charger ici les séraphimes là-dedans. Donc, charge à 9. Mm-hmm. Je vais prendre un 6. Bien joué. Je peux pas t'overwatch là. Attention, non. Va-t-il faire son 3+ ? Ah ! Normal. Ah, PC reroll ? Je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser la PC reroll, ouais. Allez, t'as plus de PC. Ça revient avec son 6. Il utilise un 6. 3 plus une deuxième fois ? Oh, je le sens tellement pas. Non, ça va. Tout juste, hein, c'est pas fou non plus, quoi. J'avoue, c'est pas fou. Le minimum. Le minimum syndical, hein. Le minimum. Mais ça part dans les... Parce que t'es la canonesse énervée dans là-dedans, c'est ça? Oui, parce qu'il faut que je fasse des choses là. Là, frérot, dans tous les cas, j'ai fait ce que je pouvais. Mais si Morvenval n'arrive pas à tuer 5 strikes, c'est qu'à un moment donné, tu sais que la game, elle te dit... Elle est pas pour toi. Non, c'est pas fini encore. Non, tiens, un alignement. Ça me rappelle la partie contre Lucas, où je suis TS contre Astra. Et que... Il me charge 4 tours complets de Magnus dans Cibul Green, frérot. Il en reste 2 à la fin de la game. C'est normal, tirer cac, hein, forcément. Elle suit pas la petite perso, là, elle est pas dans l'escouade ? Non, elle est toute seule. Elle est comme ça. C'est une meuf à part. Et en plus, techniquement, celle-là, elle va rapporter énormément de points parce qu'il m'a donné sa parole d'honneur de Napolitain. Je vous renvoie à la partie d'hier où il m'a dit que celle-là, j'ai les messages, il ne la toucherait pas. Techniquement, je l'ai mis sur le texte. Putain, mais je vais la violer, mais. Depuis quand on fait confiance à Napolitain, quoi ? Je vais tenter la charge ici. Si, parce qu'il faut savoir que ça, c'est une figurine à Benji de chez 3D Mini. Je suis à moins de 11, donc ça va être une charge à 10. Allez, vas-y, charge à 10, tu peux le faire. Jamais. T'as sûr que t'as plus de PC Roll. Ça claque son 5 ou pas? Non. Non, il a gardé un besoin plus. Nature. Il va la faire à l'ancienne. Ah, 8. 2 x 6, 12. 12. Moins de 12, 10, c'est bon. C'est validé. Ouais. Alors, ça t'aurait mis bien par contre de la rentrée. Ça t'aurait détendu un peu. Ah, j'aurais tué Morvenval au prochain tour. Ça aurait été fini. C'est l'avantage, c'est que ça aurait été très court. Ça t'aurait permis de te coucher avant minuit, quoi. Bah, ici, hein. On va faire ce qu'on peut. Ici, là? Ah, ici, ce qui va se passer. On va faire ça. Il a la nénette qui tape. Il a la nénette qui tape. Et je dois faire assassinat. En fait, ce que je veux faire, c'est l'énerver. Comme elle a précision, elle va taper là-dedans. Essayer de faire au moins assassinat. Après, ça meurt, mais au moins. Oui. Alors, comment elle tape, la nana qui fait assassinat? Alors, de base, elle a 5 attaques, parce qu'elle est belle, elle a une hallebarde, c'est une magnifique conversion. Avec ceci, comme elle s'énerve à ce tour-ci, elle gagne 3 attaques. Donc, elle a 8 attaques. 8 attaques, elle va toucher en 2. Elle va être force 6. Elle va être, parce que ce n'est pas tout, PA 3, dommage 2. Et comme je suis ce genre-là, vu que je suis force 6, ce que je vais me rajouter, lance. Vu que je suis PA 3, je vais me rajouter lance gratos
avec sa capacité à faire une fois par round. Pour me avoir plus un, pour me blesser. Je pense que c'est mieux que la PA, parce que je suis PA 3. Si je suis PA 4, ça ne change rien face du monde. Et si je te tue un modèle, je gagnerai un dé de miracle parce que j'utilise le stratagème lance, et un dé de miracle parce que c'est son épée. Okay. Parce que la vie est belle. Okay. Ça te va? Que veux-tu faire? Bah moi, je suis PA 3. Ouais, je vais mettre un AOC si ça peut me... PA mon... non, ah non, je suis sur l'invue, excuse-moi. Ça sert à rien. Bah je vais... Qu'est-ce que je fasse alors? Je vais t'aider. Je vais te dire, j'ai t'aider. Je vais faire des... Donc, je suis sur du 2. Donc tu fais précision là? Oui. C'est et là, je suis en plus, je suis Devahoun comme le. Il t'a tout mis là. Comme le capitaine. Oui, oui, bien sûr. Là, il t'a fait un full bucket. Je suis sur du 2. Je vais garder 2 dés au cas où, parce que je te blesse en 2. Sait-on jamais si ça foire beaucoup, comme là. Ouais. Et vu que ça fait, bah, je te mets 2-4 avec. C'est pour moi. Donc je ça fait 5. Tout ça dans le colis. 5. C'est flat 2. C'est flat 2. J'ai 5 PV. 5 imbus. Faut 2, que j'en rate pas 3. 6. Je ferai une reroll si j'ai besoin. Get la chatte. Là, je suis mort techniquement. Donc je vais re-roll. En reroll une. C'est bon. Il me reste un PV. Il reste un PV. Bah, ça arrive, hein. C'est stat là. C'est stat. J'en ai raté 2 sur 5, j'en ai reroll une, je l'ai réussi. C'est pile poil stat. Je t'ai cidé, j'ai fait 3-4 plus. Je te fais les filles qui sont avec pour faire le PV de la honte. Donc vous... techniquement là où c'est encore plus honteux, c'est que c'est des coups de crosse qu'elles te mettent. Oui mais elles peuvent pas me taper, elles ont pas précision. Non, mais elles vont taper. Il faut qu'elles fassent. Ouais. Il faut qu'elles fassent. D'abord, il faut qu'elles fassent tomber. Il faut qu'elles fassent tomber 4 Terminators. Hein. Une. Et. Force 3, 2. 2. Ah. Failli trébucher. Ah, c'est pour ça. Après, tu... le problème, c'est que là, tu peux tenter ce que tu veux. Tu peux rien faire. Si tu joues en premier, j'ai de la réussite sur les GD. Endgame. Endgame, je sais pas, mais. 8 attaques, sachant que j'en ai 2 qui passent auto, 4, donc ça fait 6. 4, je passe 6 2, touches, donc techniquement je dois passer au moins 6 pour faire de la Devahoun, ça le faisait qu'il mourait. Allez, moi j'y vais, je touche à 3. Il va lui soulever le pack. Plutôt 2 fois qu'une. À 2 plus. Putain. PA moins 2, franchement je suis sous stat, non? Je pense. Dégâts beaucoup, dans tous les cas j'ai qu'un PV. C'est PA moins. Déjà sur du 5. C'est PA moins 2. Une, 2 pour l'instant. 2 mortes, ça va, franchement. Je peux pourquoi tu te plains? 2 mortes de plus, ça fait il en reste une. Ça fait 5 morts. Voilà. Je l'avais les squats, il reste le Librarian. Attends, je gagne déjà un dé de miracle qui serait un 5. Putain, j'étais content parce que j'aurais pu gagner full dé de miracle. C'est 4 attaques, mais je crois qu'on a dit qu'il était que PA1. Il passe par unité, mais il joue un détachement qui lui permet d'utiliser 2. Ouais, allez, le Libi, il touche à 2. Hop, il est force 6, c'est sur du 2. Et il est que PA-1, lui. Flat 2, par contre. Sur ta nénette. Hop. Il reste ta nénette. Balek. Ah, les autres, elles meurent. D'accord. Bon. Ouais, j'ai tué les nénettes, je suis désolé. Alors, on les enlève. Tu gagnes une dé de fois. Ou ça c'est marche fait, pas. C'est fait. Ouais. Il a gagné un 5. Okay. Ah, là, j'aurais pu gagner 2 dés de fois si je tuais ton gars. Et après, je gagne un dé de fois parce que tu me tues une unité. C'est ça, là. Et vois le bon côté des choses, c'est que je peux pas repartir en FEP. Oui. Ah, ben exactement. Et que je t'ai pris avant toi, après. Trop la classe, putain. Du coup, on a fini, toi? Ah oui, on a fini. Du coup, tu fais extend avec 5 points. C'est ça. Assassinat, tu fais pas, tu discardes ou tu veux garder? Bah, je vais taper avant toi là-bas, donc ouais, en vrai, je vais me désengager. Je vais te désengager, je vais te tirer. En plus, j'ai même pas une pistolet. Attends, je vais le discard. Je vais le discard. Tu discardes, je pense. Tu discardes, tu gagnes un PC. Allez, vous faire voir avec mon côté napolitain. Le vrai napolitain, il désengage pas là. Je vous ai fait rentrer dans mon jardin secret. Alors, moi, je gagne un PC. Dans mon jardin secret. Pense à si tu l'as des unités. Ouais, pardon, il faut que j'aille des unités. Oh, ah, mais il me déconcentre en fait. Arrêtez de me déconcentrer. Pardon, désolé. Vous oubliez pas la cloque, les gars. Je vais partir. Ouais, la cloque vient chez moi. Ça, je pense ça va que partir. La cloque, on va être assez easy quand même. Donc là, avec eux, ils partent, donc lui, il va revenir. D'accord. Ça va aller là. Menji, tu vas mettre combien de primaires? Je vais... Non, si, j'ai les strikes qui sont là. Je vais mettre. C'est 5 points. 5 points, ouais, bien joué. C'est 5 points. Oui, non, mais c'est pour ça. Ouais, les strikes pas morts, enfin, bon, même les persos. Entre mon T1 et son T2. Les strikes et l'apothicaire pas mort, déjà là, c'est arrivé. Entre mon T1 et son T2, c'est. Oui, le delta est lourd. Là, c'est arrivé. Le delta est très lourd. Et le fait que je joue en dernier. Et le, en plus. Laisse tomber, c'est. Parce qu'en plus. Et puis, je commit. Tu sois tout simplement meilleur aussi. Je commit, mais si tu calcules bien, il a plus les stats que moi, mais au tir, une de mes hydrétettes me lève pas. Est-ce qu'il est sur du 5?
Mais je l'ai pas tué. Ah, je t'ai tué au castigateur. Mais c'est deux, deux castigateurs. Ouais, mais je te tue au corps à corps. Ouais, ouais. Oui, là, oui. Reroll, là, c'est pour ça, ça change rien en fait. Mais celui-là. Bah, là, je t'ai mis un Librarian et deux armures. Ah ouais. Lui, il meurt large. Hein, je t'ai mis un Librarian et deux armures quand même. Donc je t'ai mis 500 points pour tuer un véhicule. Miracles, ouais. Déjà, je te oui, oui, non, mais je truc sûr. Enfin, c'est pas, il faut, je sais pas, j'ai pas les stats en tête. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, il faudrait les calculer, mais Insista, c'est trop chaud. Du coup, je marque 5 points. Ouais. Poup. Ça, oui. Et je vais tirer, vous êtes prêts? On est prêts. Poup. Donc j'ai tiré Recover à 7, Kulzord. Je peux pas faire un Kulzord. Non, non, non. Et donc je tire à la place Overwhelming Force. Tiens, la petite est au mieux. La Napolitaine. Allez, il va te faire une Napolitaine. Ah, la Napolitaine au mieux. Je l'ai dit, hein. J'ai dit, je vais faire Overwhelming Force. Elle a la cape d'invisibilité de Harry Potter. Elle a la cape Harry. Harry Potter, tu vas voir. Elle a nopé quand elle est toute seule. Tiens, Harry Potter. Elle est nopée à 3 pouces. Harry Potter, on va rigoler, tiens. Donc même quand tu fais pas 3, tu peux pas la cape. Elle a nopée à moins de 2 pouces. À l'intérieur d'elle. Tu la tues coca, quoi. Elle accepte de mourir que si tu lui proposes un dîner avant. Ok, bon, bah, ce soir, on aura bien vu les femmes, leur place, c'est à la cuisine. Hein. Encore une fois, même le hasard, il te dit. Putain, attends, je vais Overwatch, j'ai une piste de bol. Eh vas-y, elle te dit comme ça. Viens, mon copain. C'est merde digitale. Bah, elle vient du plan d'eau à Marseille, frérot. C'est la première. Ah putain, il est bon. Il est bon ce jeu, quand même. Franchement, ce jeu, il est bon quand même. Est-ce qu'on est greedy or not greedy? Greedy or not greedy? T'as pas de 6 en banque, hein? Tu peux transformer des... Non, t'as plus de chérubins là-dedans. Ils sont... T'as tué tous les gosses. Non, mais tous mes dés de miracle que j'utilise là, ça fait des 6. Ah ouais. Putain, c'est quand même dur. T'as relevé un mec là? Ah non, putain, merci mec. Putain, tiens. En plus, c'est... Tu n'as aucune chance, quoi. Par contre, on est d'accord que les Némésis, c'est comme un 9ème. Enfin, t'as les dégâts comme de chute. Ouais, c'est comme les gérants. Attends, j'ai un gabarit. Moi, j'ai le gabarit où il est assis. Parce qu'après, je vais invoquer les pieds de Gork ou de Mork. Putain, les mecs, il est calé en battle, quoi. Je mets la 18 de 1, mais pas de 2. D'accord. Allez. Donc si t'en as un qui veut me shoot, il peut quoi. Eh ben il va le faire. Putain, t'es vraiment pas sympa comme mec. Allez, vas-y. Un PC, allez, il n'y a plus de PC. 2-6. 2-6, vas-y. Donc touché blessé. Non. Ah pardon. 2 qui touche. Ah, 2 qui touche, putain. Et je te blesse sur du... lui, il a détruit une unité, lui. Donc je te blesse en 3. Lui, il a tué l'immolator, ouais. Je te blesse en 3 full reroll. Vas-y, c'est la vie, il faut accepter. Non, mais ce que je veux dire, c'est beau quand même, l'assista. Vas-y. Hier, Malik, il a réussi à me tuer que ça. Allez, on va voir si toi, tu vas y arriver. Un vu à 4. J'en rate une, est-ce que je peux serrer roll? C'est combien que tu fais dégâts de D6? J'ai 5 PV, tu peux plus faire titre, tu peux faire un 6 auto là. Non. Tu peux pas, t'as déjà fait 2 attaques de fois. Est-ce que j'accepte de mourir? Est-ce que c'est grave? Frérot, c'est un 5 ou un 6, hein. Une chance. Je vais faire une reroll. J'entends. Raté, vas-y. Il fallait faire, je pense qu'il faut faire la reroll quand même. Oh, c'est bon, une chance. Allez, t'as une deuxième chance. Ah, alors c'est pas tu veux garder l'autre? C'est pas du tout ainsi. Allez, j'ai pris 4 PV. 1 PV, pardon. Il me reste 4 PV. Ok, il me reste un CP. Ah, lequel elle a bougé là? Une chance sur 3. Hein. Ah, techniquement, un troisième. Toujours pas. Non. Ah, parce que pareil, là, ça peut être un peu. Pas un gros tournant, mais ça peut faire un petit peu réfléchir. Il y a plein de trucs qui peuvent faire réfléchir. Je vais venir là, je vais te tuer ça, et après tu viendras avec tes répentias et ton truc, tu me tueras, nanana, après tu vas prendre mon arme sur le gars. Donc là, lui est là. Désengage. Vu que j'ai déclaré un overwatch, j'ai que lui qui a tiré, lui il peut tirer maintenant. C'est le même tour. Ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas plus sûr pour moi. Oui, c'est vrai que c'est bien rentré, il y a deux mecs qui m'ont arrêté. C'est vrai? Putain, moi je suis jamais fait arrêter. Mais normal, frérot, il a une tête de victime. Nous, le mec, il a quand même un peu la crainte de dire je suis en RTT, si je me prends une mandale pour rien, ça c'est pas drôle. Il a, c'est qu'est-ce que je risque. Putain. Je t'en ai envoyé un message, j'attendais. Tu dis, ouais, je suis là, t'as un mec qui s'arrête, je recule, et peut-être quoi, il s'est tué. Je vais chez Alex, c'est quoi son famille?
Tourop. Je lui ai dit, mais il m'a regardé bizarre. Ah, moi, la seule fois où ils se sont arrêtés, ils m'ont dit, les gars, il n'y a pas de cuivre ici. J'ai dit, ok, mon copain, je m'en vais. Je m'en vais, mon copain. toi, tu fais trop le. Ah, t'es une fois par partie, ah ouais, toi. Ouais, j'ai pas de reacting move, hein, frérot. Si je plus près, hein. T'as pas. Non, si je me mets plus près, je peux pas charger. Là, je peux charger à 6 en fait. Ah, c'est parce que tu rentres de fête, pardon, je croyais que Non, là, c'est de la fête, ça. Non, non, c'est de la fête, la fête. Ce que j'allais dire, j'ai pas de reacting move, je peux y aller. Mais juste regarder si, voilà, si je rate la charge, que je sois sur l'objet, tu vois. Ah ouais, tu vas faire 5, derrière, je vais te tirer dessus, tu vas me dire. Erreur fatale. Parce que imaginons que tu passes au travers, Mickey. Derrière, tu perds 3 unités. Mais c'est pour l'instant, ça peut punir vite, en fait. 3 unités, peut-être 4. Ce que je vois, là. Ah ouais? Tu peux me tuer 4 unités d'un coup là. Si là tu foires totalement. Ah ouais. On reste en statu quo, tu perds 4 unités, je pense. Je sais pas, il avait un truc que j'ai pas vu moi, mais. Laissez, c'est Vostro. Amma. Il est sur un énorme. Il est sur le plus gros bluff de l'année. Non, si là il n'y a pas de perte. Si là il n'y a pas de perte, il peut perdre 4 unités. C'est 4 strikes. Non, en comptant les strikes par contre. Non, mais en fait, il compte en figue. Non, mais si ici il loupe la charge, qui est une charge à 6, donc normalement ça va être easy. J'ai là, t'avais rodé là. Là tu... Le clean, si je bouge, qui décide de faire partir eux, je peux mettre mes tirs ici. Donc celle-là, l'unité techniquement peut mourir. Ça va mourir avec des tirs, en théorie. Normalement, je peux charger avec le mouvement, je peux charger ici avec une charge à logique, juste à charge à 6 plus 3. Donc ça peut mourir au cac. Et j'ai ça qui peut aller charger là, plus. Ah oui, je l'avais oublié, elle. Les Célestiens. Tu sais que j'ai oublié que tu jouais. Et j'ai aussi les filles qui sont là-dedans qui peuvent aller avec la lance. T'es que en du 7, toi, c'est ça? 8, donc dans tous les cas, ça va être sur du 4 avec la lance. En full, 4+, full reroll, hit, bless, dégâts 2. PA combien? PA2. Ça a l'air d'être fort, hein, tout ce qu'il raconte, là. C'est moi ou ça a l'air d'être super fort, ah non, ça tout qui raconte? C'est pour ça. Le seul truc, c'est qu'après, c'est toi et t'as 4+, c'est comme quand tu joues custo. Custo en soi. Ah, mais quand je joue custo, j'ai la moitié des bonhommes que custo, j'ai là. Custo, c'est nul. C'est nul, mais t'as une 4+ à vue. Ouais. T'es chatarodé. Ah ben ouais, ma mère m'a déjà dit plein de fois. Ma mère me l'a dit plein de fois déjà. Là, déjà, non, moi là où j'ai compris, c'est quand j'ai dit à Benji, t'as dû te battre avec ta femme pour pouvoir venir et ça. Elle m'a dit franchement, non. J'ai compris. Sa femme ne voulait pas qu'elle soit à la maison. J'ai compris que. Elle a dit week-end, c'est quand demain, dimanche soir. Ouais, ben il faudra que tu ailles l'après-midi par contre. Là déjà, la carte bleue, frérot. Elle a dû faire un plan de campagne aujourd'hui. Avant le cap. Elle a travaillé aujourd'hui, j'ai gardé le. Allez, c'est pour ça qu'on n'a pas ce joué soir, cet après-midi. Elle commande Balenciaga. Bam. Vous savez, ça c'est la deuxième technique. Tu essaye de me perturber pour me faire changer. Je mets une réglette comme ça, mais moi j'en ai pas. J'en ai 3 dans mon sac, tu veux jeter un point une pour la partie? Vas-y. Non. Putain, il me plaît ce jeu, franchement, ce jeu me plaît. Ah, tu sais quoi? Franchement, si on m'avait dit que les mecs, ils étaient bonnards comme ça à 40k, je serais venu avant. Ouais, ça me gonfle qu'on puisse pas jouer plus souvent ensemble. Je veux dire, là, quand t'as fini, je viens un peu jouer, moi, je suis pas loin. Hein. Et c'est vrai que t'es qu'à la phare. J'y habitais un moment, là, je suis à la phare. On continue à discuter entre nous, les gars. Ouais, nous, on part en train de la cloque. C'est bon, on va pas faire chier. Là, normalement, là, dans pas longtemps, on va prendre une petite pause. Sur la cloque. C'est déjà arrivé, ça. C'est déjà arrivé. Ah ouais. Bah, t'as du temps, tu sais comment la game elle se fait, tu sais, hop, tu t'en vas, du petite minute, tu veux se tourner ma cloque, reviens, tu passes. Et après, t'as des gars, quand tu vas à Talavera en Espagne, ils mettent une demi-heure, une heure à sortir leur armée, à se déployer, c'est long, tu fais le T1. Mec, allez, moi j'ai fait. J'ai fini ma phase de mouvement. Je vous donne juste un peu ma macro. Il n'y en a plus de macro, il jette des dés, il fait des 6. Non, ma macro, c'est quoi? C'est ici, j'ai mis 2 armures. En fait, j'ai le pack de Thermi là, il est clé parce qu'en fait, le pack de Thermi, il peut violer la Napolitaine. Allez. Si je viole la Napolitaine, ça veut dire que j'ai pas besoin de cette armure et que du coup, j'ai 3 armures potentiellement qui peuvent tirer sur un rhino. Donc, en gros, on va dire qu'il me faut 2 armures pour casser un rhino et j'ai une dernière armure qui peut laver les meufs qui sont à l'intérieur. Oui, ça suffit. Plus les strikes qui sont là, qui tireront et qui pourront aussi charger s'il faut. Donc, je pense que là, je peux tout tuer. En fait, le plan, c'est de tuer tout ce qu'elle a ici, de tuer elle. Ici, j'ai rentré Drigo, j'ai une charge à 6. J'ai volontairement gardé le CP pour avoir une 6 reroll, le fameux 92. Sinon, j'aurais pu aussi faire une FEP à 3 là-bas derrière et te faire bien chier. Mais du coup, j'avais une 6 sec et j'ai pas envie. Lui, il s'est mis là, en fait, pour faire croire que j'allais tirer là-dessus. Mais en fait, je veux pas tirer là parce que je veux charger avec ça. Il va violer elle.
Donc tu t'es auto-trollé. Je me suis auto-trollé en fait. Il s'est fait des blagues. Il s'est fait des... Je fais des blagues. Je suis là, t'es plus là. Il a dit. Franchement, je... Ah, je me suis auto-régalé. Pas du tout régalé, mais moi je me suis régalé. J'ai fait, je vais faire ça. Et non, je suis autonique. Je suis autonique. Allez, on y va. On y va. On va commencer. Du coup. C'était bon ou pas? Moi, c'est ça, j'aime bien, tu vois. Il est dans un film, mec. Moi, j'aime bien jouer, rigoler et péter le cul des gars. Ça, c'est grave. Moi, péter le cul, en plus, on n'a même pas besoin de jouer. On peut directement passer à cette étape. Allez, l'armure, elle va tirer dans la Ginette, là, celle qui louche parce qu'elle m'a raté. On va lui mettre. Tu préfères que je la tue au lance-flamme ou que je la tue au. Allez, au lance-flamme, on y va. Lance-flamme, c'est plus noble. Doublas. On nous dit dans le chat. T'as un PC? Comment? Pourquoi il a un PC? J'ai fait un Overwatch avec. J'ai fait un Overwatch? Oui, t'as fait un Overwatch, voilà, tu m'as mis un PV. Tu dois avoir encore un PC car à la fin de ton tour, il gagne et il a pas pris son PC du début de tour. On a du temps, lui. On s'en fout, vas-y. Allez, t'as un PC. Ça change quelque chose? Tu veux un PC, tu veux faire quelque chose? J'ai Overwatch. Ok, donc il a un PC. Donc j'ai fait deux touches sur le lance-flamme, j'ai fait deux blessures. Force 6, PA-1, ignore cover. Vas-y. Brah! Hop, 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 deux PV, un PV. Je le mets là, on va dire 16-8. Putain, allez, les gros tirs de canon. Oh putain, j'ai fait zéro touche. Putain, les classes, c'est le chef, non? Non, non, il touche, le chef, il touche qu'à 3 aussi, comme les autres. Ah, et ben j'ai fait full raté. Du coup, il lui reste un PV. Ouais, c'était pas prévu dans le plan. Il s'est pas serré. Bah, du coup, je suis obligé d'engager mon Libby, tant pis. Mon Libby qui est là, qui a désengagé, je peux pas tirer, mais Libby peut faire son habilité. Oh. Je vais voir le 1. Ouais, moi aussi, je peux voir. Elle est morte. 1-3. J'en ai pas eu beaucoup déjà. Je la touche pas parce que si je l'abîme. Oh, tu peux y aller, il y a rien de sacré. Hein. C'est de la colle et du plastique comme ça. Ok, donc ça se fait. Ici on tire pas. Peut-être un peu de chinois. Mais... Pas de chinois. On va activer ici. Même pas, c'est Alors l'habilité, je peux la faire hors séquence. Donc je vais faire d'abord l'habilité. L'habilité sur la canadienne là. J'ai fait un 6, donc elle prend 2 décis mortels. Ouais, je suis désolé. Non, elle prend 3 mortels, ça va. Ouais, c'est bon, ça suffit. Ouais, je vais juste faire un dé de miracle. Ouais. Je suis en train de calculer hier, t'en as fait beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup, pas d'as. J'ai pas fait d'as encore. Hop, 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 l'inquisition te regarde. Oui, mais regarde, quand je fais des 6, je fais 3. Ça va, oh les gars, oh oh. 4 PV. Si vous basez vos stratégies pour me battre sur les as que je vais faire, les mecs, vous êtes mal barrés quand même. Oh les gars, oh. Un peu. TGK. On fait là. Non, mais tu voulais faire lui d'abord. Forcément. Ouais, je vais faire lui. Il a pas vraiment d'autres cibles. Ouais, je fais. Non, je veux pas tirer là-bas. Il a pas vraiment d'autres cibles. Donc lui, vas-y. Allez, vas-y. On commence. Si lance-flamme. Lance-flamme dans le rhino. Putain, je fais doublasse encore. Vous voyez, vous dites rien. Doublasse sur le lance-flamme. Péril du warp. Rien du tout. Péril du warp. Ensuite, il faut pas jouer des Némésis, il faut jouer des Libraren. 3 plus. Ah, lui il a compensé. Il a compensé pour le copain. Ça c'est un rhino, il est en du 9 lui. C'est ça, sur fois-ci c'est du 3+. C'est pour ça que je t'ai ignoré. Oh, ça va, belle stat. En fait c'est la stat, avec deux Némésis c'est la stat. C'est toi, bien, 6 blessures. Avec deux Némésis, mais le problème c'est que là c'est négatif. Mais elle a fait 0, donc avec deux Némésis je suis. PA 2. PA 2, ignore cover. Ça fait 9 PV. Allez, il va exploser, il va tuer un strike. Bravo, tu l'as un PV. Ah, putain, j'allais enlever le strike. C'est énervant. Putain, je suis vraiment désolé. C'est énervant. J'étais vraiment à un doigt. Je te fais d'enlever le strike. Celles qui débarquent, c'est bon. Elles sont fraîches. Je sais pas si elles vont le rester longtemps. Mais, non. Mais elles sont fraîches. Non. Ouais. En vrai, j'ai besoin de me mettre ici. Est-ce que je les mets vraiment ou tu veux d'abord tirer d'abord? Ça dépend, tu veux pas les mettre ou... Ça permet de faire un aller-retour en vrai. je fais le tir. Tu crois que tu peux éviter que lui te voit? Non, avec 3 pas, il te verra. Ah, peut-être lui te verra. De là, des frérots, t'arrives jusqu'ici, jamais de la vie. Donc je les fais, comme ça tu fais pas chier à les mettre, non? Ouais, tu feras que les vivantes s'il faut. Je te fais les deux lance-flammes, ça te va? Fais tout de suite. Ouais. Allez, les deux lance-flammes. Tu n'as pas d'autre tir de toute façon. Non, ça, j'arrive pas à compter ça. Ça fait 9. 9, 9, 9, à 2 plus. 4 des 6 lance-flammes, c'est fort, Némésis quand même. Ouais, vas-y. 6 et 5. Ouais. Salut, Ébric. 6. 5. Et pep. Regarde, j'en ai tué que 3. Hein. Elles sont 10. Elles sont 9 plus 1, ouais. Ok, donc après, il y a les gros tirs. 3, 3, 6. Et 3 et 6, ça fait 12, c'est ça. À 3.
Je suis plus fort au grand tir qu'au lance-flamme. Dès qu'il faut toucher, c'est mieux. Ouais, de plus. Encore un assain. En 6. En 6. 5. Je rejette les... Ouais, combien de dégâts, combien? Dégâts 3. Bon, c'est bon, on va faire 6 d'un coup. 6. 6 et 2, 8. 8, hein. Alors, 8, 6 et 2, 8. Il n'y en a-tu que 2, ouais. 6 et 8. C'est que les deux là pour l'instant. Bah les strikes, vous voyez, vous vous êtes moqué de mes strikes. Mais vous êtes moqué. Vous êtes moqué de mes strikes. Bah mes strikes, ils vont faire 6 tirs. Et en plus, je les ai pas fait advance esprit pour finir à la charge as. C'est bon, il y en a. Hein? Ah ouais, putain, je suis omniporté, beau gosse. Ah là, c'est là, c'est gangbang. Là, c'est bon. Là, c'est hey, franchement, c'est quand sur une petite loose. Allez, on y va. 3 plus. Putain, tous ces deux que je fais quand même, ça va me faire faire des cauchemars. Ouais, c'est parce que tu joues custo. C'est normal. Hein. Allez, vas-y, je déconne. 4. Allez, 4 pour 2 nénettes, ça va? J'aurais dû donc. Attends. Non, mais on va tout faire en même temps, on s'en fout. Oh. Il n'y a qu'une de morte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, viens. Viens. Ah, vas-y, au cac. Attends, il y a encore ce pack qui peut tuer. Je fous. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas qui tire, vas-y. J'ai fait que le... Vas-y, le c'est tout ce que t'as. J'ai encore lance-flamme. Lance-flamme, regarde. 3 de lance-flamme. 2. Regarde, tu m'as dit, je suis obligé de mettre 1000 points presque d'armée pour tuer des... Feel no pain. Des nénettes, là. Allez. Putain. Oh, attends. Dé de miracle. Un 5. Et alors là, t'es pas prêt. C'est le 5 que j'attendais. Putain, c'est dur. Ça, c'est game changer. C'est dur. Ok. J'ai fini ma phase de tir. Bien joué. Phase de cac, faire la charge là et possiblement là. Non, non, j'ai désengagé. Je vais faire la charge là-bas à 6. Rerollable. J'ai fait 5. Je te l'avais dit en plus. Bah, 5. Je te dis, c'est pour ça que j'ai gardé le PC, et les gars. Et là, tu fais 4, c'est vraiment dommage. Là, j'ai fait 3. On est dans les 8% de... Ouais. Du coup, je suis au milieu de la table devant les rétributeurs. Et tu fais la vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vie, il faut accepter. Allez. C'est comme ça. Ah, ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver, ça arrive. Il faut l'accepter. Allez, easy, hop. Easy win pour moi. Putain, mais j'ai oublié de faire recover la fête. Concède, Benji, du coup. Hein? Bien sûr qu'il concède. Caldor Drago qui loupe une charge. Benji de concède la partie suite à la... À 92%. À 92% de réussite. Ça marche pas, c'est bon. Benji concède la partie suite au 8% qui vient d'activer. Il arrête 40k, il y aura des armées à vendre dans pas longtemps. Il se met... Je vais retourner à 9ème match, putain. À Blood Bowl. Il commence Blood Bowl. Recover à 7. Combien de points tu mets, Benji, là? Bien recover à 7. Je fais pas recover à 7, je vais jeter, j'ai besoin d'un PC. Ouais. C'était calculé d'avance. Logique. Et par contre, j'ai fait overwhelming. Donc je passe à 30. Détruire 2 unités sur un objectif, ça fait 5 points. Ouais. Notre Vostrodamus, il met combien de points de primaire? À lourd 0. On est sur un lourd 0. Elles sont pas dedans. Et là, ah, là oui, quoi, ouais, ça fait 2. Donc j'ai tué 2. Du coup, T3, Vostro, il gagne un PC, il est à 2. Moi, je suis à 2 PC aussi. Ouais, il met pas de primaire. Il met toujours pas de primaire. Et il... attention, roulement de tambour. Area Donial et. Mais je n'en perds pas non plus. Storm hostile objectif. C'est récupérer les objectifs. Storm aussi l'objectif, c'est contrôler l'objectif que je contrôlais. Easy. Bah tout les tu contrôles tout l'objectif. Et tous les jours. Putain, j'y crois pas, c'est le petit rétributoire. Alors, début. Ah, si je rentre la charge, après je vais début de mon tour. Catherine et tout. 6. Début de mon tour sur du 4+. Plus. Allez. Non. Ensuite, t'as des miracles normal, un 5. Pas de Drago. 5 thermiques Drago. Allez, on va se concentrer un tout petit peu. On va essayer de faire un baroud d'honneur avant de partir. Dire, allez, voilà, Vostro, le baroud d'honneur, Vostro. De dire, j'ai tout donné, je suis là. Allez, Vostro. Vostro, t'as activé la doctrine d'assaut? Ouais, c'est ça. 8 pas, je vais venir ici. 8 pas, bah en fait, ça va faire la queue leu-leu en vrai. Peut-être que lui pouvait aller un peu loin, je vais faire 4 pas pour venir là. Alors lui va venir ici. Il va rester 4 pas pour venir là. Et elle 8 pas de l'arrière du socle, à l'arrière du socle. Ça fait ça. Ici. Attends, je vais peut-être partir. Est-ce que, où est-ce que je veux partir? Je me mets à plus de 9 de lui par contre. Ah putain, c'est vrai que c'est 9. Même elle, ça marche ça là, c'est tout le monde, c'est l'armée entière. Si tu te mets à plus de 9, faut t'aille loin quand même. Ici. Attends, c'est ton socle. Tu vas 10 minutes. On va faire comme ça alors. Ça, ça, ça et ça. Ça te va, c'est bon? Ouais, je te recule juste. Allez, un vas-y. Peu là. Vas-y. Ok. Plus de 9. J'ai quand même ça qui peut tirer là-bas. C'est bon. Et je profite donc au final de faire des rotations à la guise de l'imaginaire. À la guise de l'imaginaire. Ok. Donc ça, lui, c'est il ne partira bon. Pas. Ici, on va bouger. Je vais mettre. Je vais bouger de 8. Parce que
je t'ai rien annoncé, donc je vais le mettre comme ça. Ça, et par contre, je vais juste mettre elle là, ça, ici, comme ça. Je vais faire ça, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, je vais sûrement partir. Ouais, je vais partir, rentrer chez ma mère, parce que je peux pas jouer comme je veux, c'est mon ballon. Ouais, je peux pas jouer, je me mets au milieu du terrain et je bouge pas, j'emmerde. La question, c'est qui s'en va? Qui s'en va? Eux, ils sont plus forts, ils sont plus importants. les libites font vraiment mal. Ici. Ouais, je vais faire sortir le pack avec le Libby. Allez, passer un PC. Un PC. Ici, ça va bouger du 8. Je vais prendre l'arrière du socle. Je vais venir ici. Ici, ça peut tirer, mais à un moment donné, si j'y vais pas, j'y vais pas. Alors, est-ce que j'envoie là? Ouais, non, c'est bon. 6, ça va venir de l'angle là à ici. Je vais refaire le même petit triangle d'amour. Un tout petit peu de temps. Là, j'ai ce qui va ici, tac, tac, tac. Là. Je les mets là, mais il y en a une devant et une là, en bas. Une foussaille. Ça, 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 qu'est-ce que j'ai encore à bouger? Rien, bon, d'accord. Tu peux déplacer ta mallette. Si merci veux. À Conan qui vient de nous lâcher un tip. Ça fait plaisir, mon oh. poteau. Je dois faire quoi, moi, tu m'as dit Aerial Denial. Toi, tu dois faire Aerial Denial et Storm Hostile. En gros, il faut que tu claques ça. Déjà, si tu claques ça, tu fais tes deux objets en fait. Tu fais Storm et. Je fais Storm et je fais ça. Ouais. Ce que je vais faire. C'est plutôt calme sur le chat. J'espère que la partie vous régale. Parce que c'est vrai que, en vérité. Je vais mettre. Il y a une certaine forme de bonhomie qui s'est installée autour de cette table avec Vostro et Benji. Ils animent très bien le game tout seul. Donc, du coup, moi, je me soustrais, je fais de la peinture. En bas, toujours pareil. Je suis tout à fait content d'être heureux. J'espère que la game vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Oh putain, on est sur ma cloque. Oh, con. Un panneur. Oh, fâche de con, la cloque. Oh, qu'est-ce que c'est, Staff? Qu'est-ce que c'est? Putain, les mecs, ils me rappellent pas mes secondaires. Allez. Ils me font rater des. Ils me donnent des deux pipés pour faire les charges à 6 rerolls. Hey, culé. Ils me laissent sur ma cloque. C'est comme ça qu'on est reçu ici, putain. Ça donc, tiens, je coupe les micros des joueurs. Les gars, je voudrais faire un petit point de situation. Dites-moi si vous kiffez cette game. Une petite échelle de sauce de 1 à 10. 10 étant la sauce maximale. Comment vous kiffez cette game? Et Strata Grenade. Allez. Ah, elle va mourir cette armure, c'est pas grave. Il va me tuer ça, j'espère juste qu'il me tue pas les deux en fait. Je pense que Feu d'Aster, tu joues G-Con, hein. Feu d'Aster, il a mis 10. Tout ça, il me fait mal. Je vais tout mettre, je vais pas faire ça, je vais commencer par faire elle qui va faire ses tirs de pistol bolt. 5-6. On est où là? On est là? Le triomphe. 2 et 5 donc. Gamme, pas de PA, rien, c'est un pistol bolt. Une? Ok, alors qu'est-ce que je veux faire là déjà? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des choses pour faire plusieurs choses. Ça, il reste combien de PV là? 11. Oh, ça fait 5 ici. Ça, alors, ça va tirer. On est sur du 10. Ici. Curse nous annonce un 8.6. Ailleurs, il nous met un 7.5. Et 4 décis lance-flamme. Sur 10. Ouais, sur 10. Nat, il nous dit 7 sur 5 sur 7. Je vais utiliser un PC pour être PA plus 9 parce que le fail sur la charge loupée de Keldor. Ici. Ok. Sauce Samouraï 10, Dragoza on est sur un 9 sur 10, 3, Rubik's il est sur un 8 sur 10, donc globalement la partie 3. Sauce le monde. Donc ça c'est ce pack là qui me tire ici, c'est ça. Avec moins 1 PA. Moins 1 Ignore Couvert, ouais. Quoi. Tuer mes strikes. Du 4. Il a mal vécu là, sur le fait de... S'il te plaît. Que les strikes restent en vie. Sur les strikes, des espèces de lance-flammes. Du coup je suis en 3 plus. Tiens 3. Un mort de mort. Je te fais les bolters lourds. Non plus. Il t'en reste plus qu'un, je t'ai dit que je surchargeais, ça touchait pas. Et je te blesse en une seule, PA 1, t'as pas de cover, et je te fais en même temps le Melta, ça touche, ça blesse, et je me fais pas péter. Mais c'est quel pack en fait? C'est les Séraphines qui me tirent avec c'est des Melta? Séraphine. Elles ont des Melta et tout? Non, là il y a un plasma, et ça c'est les 4 lance-flammes, parce que c'est 4. Oui, et le Melta tu viens de me dire? Non, le plasma, qui surchauffe et je me suis pas fait péter à gueule. Ok, donc j'ai un plasma à faire. T'as une save normale et plasma en surchauffe. Une save normale, on va y arriver. Ok, et. Et la save normale avec plus un PA, donc il est mort. Comment ça, plus un PA? J'ai une 2 plus de save. Plus un PA, tu me dis. T'avais le bolter et après t'avais le. Ah, pardon, excuse-moi. Avec le plus un PA, t'as un PA 24. Ok, j'ai pas dit sur quoi jeter les dés, c'est pour moi.
ça, 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 ici. Faire tirer après. Pardon, ça a fait ça, j'ai tiré, je bouge de 6. Donc il faut juste que je te récupère l'objet. Faut que tu contrôles un objet que je contrôlais. Moi j'ai haussé, j'ai 4. Hein. Ouais, mais voilà, mais là en faisant ça, 6, 6, 6. Et si celle ici, je mets haussé 4, j'ai haussé 5. Donc déjà là je fais le scoring. Et là ici 6, on est juste devant. Là pour l'instant je récupère l'objet. Ouais, pas de soucis, tu l'as. Donc tu feras overwhelming. Non, storm aussi l'objectif, tu ça, le feras. Ça, ici. Tout va tirer là. Ouais. Tout. La totalidad. On est PA combien là? PA 4. Tout à PA 4? Non, il n'y a que les multimeltas. Et après le reste, c'est PA. PA 2. PA 2. Tu peux plus mettre plus un PA. Je suis à couvert. Et. Et est-ce que le stratagème lance est gratuit pour une figurine qui a vraiment une lance? Non. PA moins 2. Je suis à couvert. Je suis à 3 plus. Je me mets en foutage. Non, mais au pire des cas, on peut dire que c'est fleuve. T'as un PC. Ah ouais, j'ai qu'un PC, mais si je l'utilise pas maintenant, je vois pas trop. T'en as qu'une qui me met de... T'en as deux qui mettent des coups, peut-être. Les trois qui mettent le Melta 18, normalement. Non, lui, il est pas, c'est sûr. Le troisième, il est pas. Ah, 18, c'est là. Troisième... Après, si tu veux, mais du coup, tu rentres un 9 là. Okay. J'accepte qu'elle meurt. J'accepte pas qu'elle meurt. Prendre deux coups de plasma. Après, j'ai pas de reroll. Non, je vais pas faire la mort cotale. Je vais garder pour une reroll. Allez, je te fais donc les 4D6 ici. Ça, c'est... En 2, full ça, reroll, c'est bon. C'est où, ça force 9 plus un wound. En 2, full reroll. Non, ça, c'est... Pardon, c'est le PV. Ça t'en fait 4, s'il te plaît. 4 invus, là, déjà. 4 invus là-dedans? Ouais. Putain, c'est fort. 2 plus, 2 plus. Hein. 3 ratés. 3 ratés. Que... Attends, tu peux me faire quoi, là? 3D6. Tu peux me faire 3D6 et t'as... J'ai déjà 12. Tu t'as déjà 12. Donc tu peux me tuer. Tu peux me tuer. Est-ce que j'ai... Tu vas me tuer, donc je préfère... J'ai encore les Meltas... Oui, oui, non, les... il va me tuer, il va me tuer. Il a fait... J'ai raté 3 save, donc je vais la laisser mourir, vas-y. La première, 5. 5. La deuxième, 10. 5. 10. Et la troisième, 1, 3, okay. 13. Je suis mort. Est-ce que j'explose? Ça m'arrangerait. Non. Parce que tu faisais un PV là, après je te mettais 12 PV. Poup. Ok, t'as utilisé des trucs. Okay. Le Melta qui est ici. Ouais. En 2 plus. 2 s'il te plaît. 2 plus. Pourquoi en 2 plus 9 plus un wound contre les véhicules monstres. Plus un wound contre les véhicules monstres. 2 tu m'as dit? Oui. J'en réussis une, j'en rate une. T'en réussis une, t'en rates une. Ça va être celle-là, donc elle est pas dans les 9. Sinon t'aurais pu partir. Ça va être 6 dégâts. Ça va être 6 dégâts. Il me reste 7 PV. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais claquer le stratagème gratuit de L pour faire grenade. Vas-y. T'en prendras 3 BM sur ta truc là, sur ta Nemesis. 3 dans les chicots. T'en resteras 8 PV. Blais. Lourd blais. Ici, je fais feu de tout bois. Ah. Dans tes petits garçons là-bas. Allez, vas-y. Ils ont eu droit à un tour de tir gratos. 1, 2, 3, 4 Melta. 4 Melta sur du 4. Je vais continuer. J'ai 2 dés encore en main. Hein. J'ai touché pour l'instant que j'ai pas fait. J'avais fait que 6 là. Et tu les fais pas maintenant? Non, je vais aller jusqu'à la phase du blessure et de sauvegarde. T'as le droit de faire ça? T'as le droit de faire ça? Tu veux faire ça. De faire toucher blessé et après de faire les deux autres tirs? Oui, non. Parce que là c'est un Melta. J'ai pas le droit de faire qu'un seul tir de Melta, je suis obligé de faire par arme. Combien j'en ai? 4 s'il te plaît, 4 imbus. Non, c'est la même arme. Ça me dit... enfin, je... Non, je peux. Pour moi, tu dois faire tous les. Tu fais les séquences de touche, les séquences de blesse, les séquences de blessure. Non, parce que je t'ai bien annoncé avant que je faisais. C'est comme si je faisais arme par arme. Là je t'en fais 3 et je peux garder la dernière. Bon, c'est pas parce que tu l'affirmes que c'est vrai. Hein. Non, sinon c'est... ça serait trop facile la vie. Ça a été demandé. On vérifiera. Ok, j'en ai 4 à faire. Voilà, 4. Ok, et je te fais les deux derniers. Une touche. Pas du tout. Full reroll quand même, parce que tu m'as tué une unité avec eux ou pas? Non, ils ont rien fait encore eux. Ok. Ils sont partis revenus et ils te regardent, alors, ils t'ont raté. Ils ont voulu te renifler le cul, ils t'ont raté. Ça, par contre, vrai. Là, ils te rateront pas, je vous passe. Et là, les 6 places, ils sont pas, donc là, ça va faire ça. Ici, 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 ici. On va faire les tirs quand même de ça. Vas-y. Là. Juste lui, normalement, les 6, il doit y être. Oui, donc j'ai le pistolet Melta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je te fais déjà les 9. 9 tirs de... Donc attends, on est où? On est là. Les donc... figurines qui sont derrière, là, celles à pied, les Celestian. Ouais, elles ont quoi comme arme? Pistolet Bolter, sauf ouais. Une qui a un pistolet Inferno, c'est celle qui est tout devant, ouais. C'est la chef. Ouais. Et un pistolet Plasma qui va pas surchauffer. Ok. Donc là, je te fais les Bolter. C'est reroll des As.
et ça te blesse en 6. Rien, je te fais le pistolet plasma qui ne surchauffait pas. Force 7, tendu 7, tu m'as dit. 8. Tendu 8. Et le pistolet fuseur qui touche. Qui blesse pas. Qui blesse pas, c'est bien dommage. Ok. Et on va passer en phase de charge. Allez. Phase de charge, je vais déclarer une charge ici à là. Je vais utiliser un 5. Mmh. Et 5 qui font. Ça charge au centre. Hein. 10. Les répentias. Donc celle qui est le plus loin de l'arrière du socle, elle arrive au contact base to base. Mmh. Je me mets à plus de 6-2 pour pas qu'il y ait d'intervention héroïque. Je vais bloquer. Je t'ai dit la plus loin, mais c'est les premières qui passent. Et en fait, pour bloquer les dernières. Pas de soucis. Et toi-même, tu sais. Moi-même, je sais. Nous sachons. Nous croyons en mystérieux. Ça va là. Avec ceci, qu'est-ce que je vous sers? Je vous sers une charge ici, sur cette fille-là, donc charge à 9. 6, sur du 3. Oui! Ça nous fait 11. Ouais, c'est mal, c'est quand on fait mal. 11 pas. Ouais. Celle-là, j'ai foiré mes celles-là, ça arrive. Tant qu'il peut renvoyer les membres. Si je tue ça, ça commence à être dur. Hein. Je dis pas, parce que ça, s'il perd les trucs, ça peut faire des choses. Mais dans tous les cas, c'est faut pas rêver des genoux. Tu peux pas m'interrompre, frérot? Je peux pas t'interrompre, vas-y. Tu veux taper où? Donc je vais taper ici, déjà. Vas-y. Donc j'ai 3 attaques de masse d'abord. Je vais pas cramer. En vrai, si, je vais lever un 5 pour 3 attaques de plus avec Morvinval. Allez, vas-y. Déjà, la masse. 2 plus, c'est bon. Je te blesse en 2 aussi. Ça te fait déjà 3 saves. PA-1, dommage 3. 3 PV. Les épées. 1, 2, 3, 4. Reroll. Et je te blesse force 7 de pointe comme ça, avec le plus 1 bless en dessous du 4, on va dire. Full reroll, parce que j'ai la flemme de regarder. On va taper ça. S'il te plaît, PA-2 là par contre pour 2 dommages. PA-2 à 4 plus. 1, 2. Elle est morte. Est-ce qu'elle explose? Allez, 6, cocotte. Non. T'as le loup, cocotte. Boum! J'ai perdu 2 armures ce tour-ci. Peut-être 3. Il l'avait annoncé, hein? Ouais. Ah, ça fait 3 unités. Normalement, il y avait la 4e là, donc j'étais pas faux. Oui, enfin, c'est moi qui aurais dû te tuer en fait. Et j'aurais dû être dans ton. Tu aurais dû Overwatch, je pense que tu aurais pu Overwatch. Non, mais j'aurais dû te tuer, j'aurais dû rentrer la charge à 6, réol. Ah, et du coup, je suis sur Sainte-Catherine. Ça, j'utilise un PC la vie, pour avoir le Strata Lance. Donc, tu utilises un PC pour le Strata Lance. Moi, je vais mettre TP à combien? Attends, avec ça attends. Juste, attends. Non, je vais pas faire le Strata Lance parce que dans tous les cas, je vais être en 4 plus. Là, je suis en 5. Ah non, tu es en 8, je suis obligé. Ouais, en Strata Lance. Donc, Strata Lance. Et TP à combien? PA 1. Tu peux passer en PA 0. Bah, je passe en PA 0. PA, par contre, il y a PA 2 sur la chef d'unité. Ouais, c'est pas grave. On est où là, les gars? PA 2. Au centre. Combat au centre. Au dernier combat au milieu. Allez, vas-y, cogne. Je suis létalite aussi. Ouais, moi, je suis en 2 plus de save. 1, 2. J'ai plus de PC. On a plus de PC. 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je te touche en 3, Rirolas. Là, j'ai oublié de charger avec. J'ai oublié de charger avec le. Eh ben, charge Avec le pack là. Vas-y, fais ce combat et tu charges après, pas de soucis. Rirolas, déjà, on peut lever les 2. Lève ça. Ça, c'est létal. Et je te blesse en 5 au final, parce que 6 plus 1, 5, c'est un reroll. 6, 6, 5. Et après, j'ai les chefs. À 2 plus, dégâts. On a dit. C'est propre. Il n'y a pas d'as. C'est sale, mais c'est propre. Tu blesses pas en terre, avec les lances? Quelle lance? Non, on est là-bas, les gars. On est là-bas. Les 3 attaques qui sont force 5, là, par contre, ça blessera en 4. Touche à 3, Rirolas, grâce à la canne de Ness. Ouais. Blesse en 4. PA 2, par contre, donc PA 1. Donc PA 1, 3 plus. Ça fait 4 PV. 4 PV. Ah. Et la canne de Ness en 2. Rirolas. Le touche. Elle, pareil, pour ce 4. Plus 1, 6. Ça fait 2, s'il te plaît, PA 3. PA 3, PA 2, qui passe PA 1, pardon. PA 1. C'est les PA normales. Donc PA 1, excuse-moi. C'est bon.
2 de plus. Ok. Moins 2 PV. Allez. Tu voulais charger là-bas? Ouais, le triomphe. Vas-y. T'es sûr, hein? Parce qu'il y a moins que je te one-shot. Je sais, mais de toute façon, je prends le 5. Ok. 6. Je pense que la messe est dite de toute façon, parce que je suis à 7. Oui, 7, j'y suis. Non, ça c'est 6. Oui, donc à 7. Oui, c'est bon, tiens. J'ai plus un charge pour ça. Je sais pas si elle est vraiment intéressante cette charge. Mais, c'est Drégo, hein, ça cogne ça. T'as oublié la charge de la grosse? Eh oui. Mais qui le corps? Vostro, cours. 2, allez, 3, vas-y. 4, 5, 6, 7, 8. Après, peut-être que tu tapes fort, je m'en rends pas Vostro, compte. Vostro, il fait son baroud d'honneur là, il y va fort. Hein. Bloqué pour pas 2, 2 3, 4, 5. C'est surtout que si elle meurt pas, tu peux pas dégager. Donc j'ai un tour de plus pour te les one-shot. Mmh. 2 plus. Tu vois, c'est ça de faire des as. Ça t'arrivera un jour. Force. En plus, j'ai qu'une force de 3, j'ai une épée énergétique de merde en vrai. Je fais que des dégâts, je mets pas une arme relique. Je sais, c'est pour ça. J'ai déjà joué contre ces trucs. Avec les custos, je la one shot. Mais là. PA2. PA2 quand même. Bien que bâtard. Attends, si je rate mes saves, regarde. PA2. Ben regarde. J'ai tout raté. Un mort et 2 PV. Et alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Un mort et 2 PV. Bon, lui, on remontera à mon tour. C'est celui-là qui aurait dû mourir. Je pense que ça, c'est une grosse erreur là-bas, Vostro. Non. Bah si, parce que je vais conso sur les... Je vais ping sur les rétributeurs, je vais tuer les rétributeurs. Tu crois que j'ai peur de toi? Ok. Donc lui, il doit ping de 3. Donc à 3, en fait, il va... parce que c'était le plan de te tuer des gens, te charger après dessus. Là, le plus proche, moins de monde. Le plus proche, c'est ici. Bien sûr. Lui, il va pouvoir piling à... Il va, quoi qu'il en soit. Lui, il viendra là. Il se rapprochera dans tous les cas. Voilà. Et l'autre, il peut aller contre. Et lui, il viendra contre. Ok. Du coup, on va mettre 3 à gauche et 2 à droite. Ouais, je vais mettre... En fait, je vais faire... Attends, lui, il est collé là. Est-ce que... Ils sont collés ici. En fait, non, je vais faire... Drégo. Je vais faire Drégo. La suite de l'autre. Je vais faire Drégo. Pour noyer mon chagrin. Mais que je veux bien un truc à boire aussi, je suis en train de crever. Il veut bien une bière. Et les gars, vous m'avez dit fuck la cloque, hein, mais... Vous êtes autour d'eux et on a 2 heures de jeu, hein. Je tiens à vous le dire quand même. Bah, large, il reste 4 unités sur la table. On y va. Drégo, il va taper là, il y a un mec qui va taper là et il y a 3 mecs qui vont taper ici. Ok. Donc Drégo, on y va. Il si est là. Si tu veux. Oh là là, le type. 2 plus. Oh là là, le gars. Drégo, il est à 2 plus et il est à 2 plus. Force 8. Il est PA moins 4, donc je pense que ça tue auto, non? PA moins 4. Non, je pense honnêtement que lorsqu'il n'y a pas de remontade possible. C'est sur la. Celui-là, c'est là. Donc je vais quand même à 6. Ok. C'est simple. Voilà. J'ai gagné des miracles. 5 morts. Un 5. Poc, 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 poc. Ça t'esso. 2. Et après, dans le... Dans le triomphe. Dans le triomphe. Touche à 3. Et force 6. Blesse à 2. PA moins 2, dégâts 2. Ouais, pardon, c'était 3 de votre trou. Invulnérable, je vais en garder une. Et j'ai le fil... Attends, pardon. C'était dégâts 2 sur les filles. Drégo, il est dégâts 2 ou plus? Non, mais 3, sur les 3, filles, c'était dégâts dégâts 2 de base. Oui, sur là, les filles, c'est dégâts 2. Non, là, c'était... Attends, tout est dégâts 2. Attends, non, Drégo, il est dégâts 3. Non, mais attends. Pas Drégo. Il n'y a que Drégo. Je te finis ça. Là, maintenant, ça, c'est dégâts 2. Ça, c'est sur le triomphe. Ouais. Donc ça, 4 et 4, 8 films no pain. J'ai oublié mes films no pain. Sur... Ça, c'est ouais, ailleurs, c'est pour leur mettre un petit coup de pression. Sur le triomphe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points sur le triomphe, 7 PV. Voilà. Et j'avais 2, 4, 6, 8, 10 dégâts sur les rétributeurs. Pourquoi? C'est dégâts de 3, c'est 15 dégâts. Il a mis 5 dégâts. Ok, donc ça va. C'est pour ça que j'ai. Et maintenant, et j'ai pas vu qu'il restait nénette, le mec je l'ai pas fait taper en fait. Tu sais, je t'ai dit, il y a Drégo plus vas-y, un autre vas-y, gars. Vas-y, donc vas-y. Je fais ses attaques. Il a perdu 7 PV pour l'instant ici. Et donc là, ça fait 3, et c'est sur du 2 plus. Ça fait 2 de plus. Il perd moins 2 dégâts 2 sur lui. 2 de plus, la première. Non. Et la deuxième, réussite. Photo. Ici. Ok. Donc il lui reste un PV, et normalement si je fais ça, ça fait un as. Oh, comme t'es fort. T'as le mec, il est bon. Moi aussi, j'ai les dons de divination, mais pas sur le bon score. Pas sur les bons dés. Elle a resté à 2 PV, la Némésis au centre. La Némésis au centre, elle a 2 PV, elle aurait posté. Je pense qu'elle aurait pu mourir. Ouais. Alors, quand elle a qu'à 2 PV, ouais, c'est qu'elle peut mourir. Après, non, elle avait 11 PV, elle avait une salade de plus. J'ai raté quand il fallait pas rater. Ouais, mais t'as fait les grenades et tout ça, donc en soi... Non, mais quand t'es arrivé au CAC, j'avais 11 PV. J'avais 8 PV. 8 PV. J'étais en 2 plus de save. Bon. Où est-ce qu'on est, les gars là? Du coup, c'est la Némésis qui va riposter. Pardon. Dans les Repentiax? Non, c'est pas des Repentiax, c'est des Sacro-Saintes. Ouais. Je touche à moins 1, du coup, donc je touche à 4. Et je blesse à 2. Ça va beaucoup moins bien marcher. Regarde, tiens, 2. 2 invus à 4. Allez, 2 invus à 4. Bim.
Bam. Et c'est un quai. Et boum, je te solide. Fais même celle que j'aurais pu louper si t'avais fait 3 abaisse. Allez, vas-y. On est bon? On est bueno? Je te récupère, on est bueno? Fin on du bueno. Tour, tu m'as fait overwhelming et je sais plus quoi d'autre. Allez, à Denial, tu l'as pas. Overwhelming à combien de points? T'es pas à 3 pas, donc je l'ai quand même un peu. Ah si, tu veux. Si, t'es à 3 ah, je sais pas, je te laisse le référent. Non, Daniel, tu l'as pas dit, tu l'as carrément pas. Par contre, je veux bien savoir à combien t'as l'overwhelming. À 4, c'est overwhelming. C'est pas overwhelming, c'est storm ou style objectif. Ah, donc c'est 5 points, non? Ouais. Ouais, c'est 4 points. 4 points, 4 points, bien joué. C'est que 4, pourquoi c'est pas 5? Mais c'est 4 sur. C'est 4, c'est correct. Tu peux jamais monter à 5? Non. Même avec, je sais pas, tu as un point de fair-play. Je peux te faire un clin d'œil comme ça et ça passe un. Ok, Vostro, il passe à 23 points sur son T3. Il reste 12 PV. J'en ai mis 7. Ouais. Benji, tu mets combien de points de primaire là? Alors attends, va pas trop vite. L'armure, elle s'en va. Donc dehors, j'ai une armure et les thermis qui sont là. Ce thermi, bon, je le mets maintenant, il va revenir. Ok. Ça, c'est mort. Ici, ça va rester là parce que je pense qu'il faut que ça vienne aider ici et ça peut toujours blaster là. L'idée, c'est qu'il faut faire mal. Ça fait moins le ronflon là d'un là, coup. Là, ça, je vais tuer tout ça. Donc fait des phases à peu près normales. T'as son passif mauvais. Alors autant ça tue que 2 strikes. Mais autant, ça, c'est mais tu vois, fort. Au final, 1, 2, 3, et à 2 PV, il y a 4 unités, il m'a enseigné. Non mais Morvenval, elle est juste pas équilibrée, elle est comme Magnus, elle est dans le même train que Magnus. Alors, tu sais, il y a un train comme ça qui va... J'ai fait comme ça, j'ai dit, bon, par contre, j'ai quoi, 6 dés de miracle, bon, j'utilise tout. J'ai dépensé 100 comptes. Alors, on y va, on est parti. C'est le John Hammond du dé de miracle. Donc là, on va ôter... T3, c'est ça? C'est ton T3 à toi. Donc, ouais. Je gagne un PC. Oui. Il gagne un PC. Oui. Tu as jeté Area Donial? Oui. Donc t'as gagné un PC de plus? Oui. Pourquoi j'ai. Oui, ouais, bon, j'ai pris. Ok. Début du tour, j'ai score, je score 5 là-bas, moi quand même encore. Début correct. Du tour, point 6. Hop, ok. Ouais, j'étais con, j'aurais pu. Je tire, pardon. Sabotage et défense Rongol. Allez, ben parfait. Okay. Reste chez toi. Perd une unité pour faire une action. Défense son goal, il est bien. Et sabotage, on va surtout s'en battre les couilles. On va garder notre CP. Pourquoi t'en bats les couilles? Tu l'envoies ici, ton sabotage, avec une flèche et tu fais... Il faut que je tue les Morvenval. Si je la tue pas maintenant, je la tue plus. Tu as tué quoi? Mais jamais de la vie, frérot. Mais les gars... Mais vous êtes des fous. Vostro, d'ailleurs, c'est des fous. Mais carrément. Ah, mais franchement, vous êtes des malades. C'est la femme, elle est assise au conseil de Terra. Et lui, il vient... moi j'ai une armure, je bite sur Titan, patati, patata. Je vais te soulever ma grosse, tu vas t'en rappeler pendant 3 décennies. Comme la vie est bien faite, j'ai pas besoin de bouger, pas d'Overwatch, je peux mettre mon psy dans Morvenval, et après je peux aller charger les grognasses. Et comment tu fais? Comment? Avec qui, de quoi? Lui là, il peut faire son psy dans Morvenval. Ah, il okay, est là, d'accord. Il a 18, pas et, une charge et, et après j'ai une charge ici. Bam! Ah, j'ai fait déjà deux fois double 6, mais j'ai fait deux fois double 6. À 6. Hein? J'ai fait deux fois double 6 et j'ai fait 3 et 4. Du coup, j'ai pas grand chose à bouger. Ici, je suis engagé. Ici, je suis engagé. Je vais venir par là-bas. Je pense qu'on peut limiter un peu l'Overwatch en acceptant de venir par là. J'ai gagné un PC quand même. On va pas l'oublier celui-ci. Quelle elle est sur le décor? Ici, hein. J'avais de la vie, tu me tues tout le pack. Non, tout, mais. Tout le pack. Mais je vais pas tuer tout le pack. Je viens, tout le pack. Je viens tuer. Avec la canonesse. Je vais tuer une ou deux. Je peux me mettre en save de vie de plus. C'est bien. Ah, j'adore. Ah, franchement, il me régale. Il dit, je vais te tuer. Oh, sauvegarde un vie de plus. Je suis silencieux. Regarde comme je me mouve. Ah, tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Tu veux mon Overwatch ou pas là? Ouais, easy. Mais avec personne parce que je te vois pas vraiment. Bah, lui il me voit, mais. Non, il te voit pas, toujours pas. C'est si, lui, il est sur le décor. À moitié. Ah ouais, donc il me voit. En fait, il regarde comme ça. Là, je te vois, là, je te vois pas. Je te vois un peu, je te vois pas. Je te vois pas, je te vois, on voit pas. Tu as un 6, ça c'est un 6 ou c'est un 1? Ça c'est un 6 et ça c'est un PC. J'espère. Il me reste une armure, mais c'est une armure qui est en slip, elle a que 4 PV. Moi je suis toi, je la mets là, vers là. Ah, vers Morvenval. Non, mais le jeu voudrait que j'aille vers Morvenval. Mais si je vais vers Morvenval, je me prends un Overwatch et je suis mort. Donc on va pas y aller. Ouais, vas-y. Je pense qu'on va plutôt venir dans un coin par là, tuer des nets là. Ou je. Bah, en fait, j'ai un peu rigolé, puis du coup, c'est parti en couille. J'ai pas beaucoup d'unités en fait, hein. Dès que je fais des conneries, ça part en live. Hein. C'est
Non, mais c'est comme quoi ça peut vraiment, enfin, ça peut arriver où tu vas avoir un tour à blanc, tu te fais sortir soulever deux castigateurs et tout ça, tu te dis plus ou moins, je sais, parce que ma grosse menace là, c'était les Repentia, clairement, Repentia dans les Terminator, ça fait pas rire. Avec le stratagème, je suis à force 6, je te blesse en 2. Donc c'est clairement pas très drôle pour lui. Tu les tues. Tu tues les armes qui te font mal au tir, les unités qui te font mal au cac. Ouais. Morvenval, elle tire sur 5 strikes. Elle n'en arrive que 2. Elle fait pouette. Là, elle commence un peu à crier à l'aide. Et puis après, il y a un tour, elle tire, elle dit toi là-bas. Ah, mais t'as Melta qui tire pas. Pas grave, 2 Melta, ça suffit. Toi, tu meurs, toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu meurs. Elle a fait sa petite douille. T'as tiré en secondaire sabotage et stronghold. Ouais, stronghold, ça devrait aller. C'est sabotage qui est un peu chiant, j'ai pas envie de le faire. Je vais me mettre juste là pour cramer elle à 18. Si je me mets là, est-ce que là tu me vois? Ouais, dis-moi, mais je pense pas, je pense non, que tu bloques ici. Donc là, je peux te cramer. Franchement, tu portes pas des couilles. J'ai un PC, un 6, vraiment. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas, juste en ligne de pas le 6, si j'avais pas le 6, je serais venu, mais mon vieil, un 6. Allez, c'est parti. On y va. On va commencer. On va faire direct le psy de ça. Je t'en prie. On y va. On fait 4, ça fait 2 D3 mortels. Ça va faire 6 mortels. C'est 6 mortels, donc 4 et 1. Ouais. 4 et 2, pardon. 4 et 2. 4 et 1. Moi, ça me semble logique. Boum. Hein? Comment ça, je les vois plus? Non, mais il s'en fout, il en a levé 2. 4 et 2, pardon, ça fait juste. C'est quoi le truc de je vois plus? Mais je tire au lance-flamme, je m'en branle. Ça, c'est des lance-flammes, hein. Enfin, ça lui fait rien après, je voulais juste que mes BM lui fassent mal. En fait, si je lui fais. En fait, si je lui fais. Imagine, je lui tue un bonhomme et en fait, il enlève, je fais plus les BM. Là, j'ai fait les BM, c'est fait en fait, tu vois. Après, ok, on s'en fout. Je mettrai des. Ici, je verrai toujours elle, donc je pourrais mettre des BM là. Et puis on y va. On va commencer par l'armure qui va aller là-dedans. Oui. Lance-flamme. Attention, t'avais l'action. Ah non, c'est défense. Non, je fais pas. 8 de lance-flamme. Donc 5 et 3, 8. A 2 plus. Poup. 7. PA moins 1. Hein? C'est l'armure qui est ici qui tire là-bas. Non, je tire là-dedans. Oh, j'ai pas le droit de tirer dans elle. C'est pas faux. 1, 2, 3. Et je te fais les 3 gros tirs. Les 3 gros tirs. Je touche 4 fois à 2 plus. Il n'y en a que 2. Je fais 2 as. Là-dedans, toujours. Une morte. Morte et un dé de fois qui sera un 2. Ok. Donc une qui meurt et. Non, les 2 qui meurent. Ah, les 2 qui meurent, pardon. Ok. Et le dé de fois qui. Ah, ok, qui te fait un 2. Ok, j'ai compris. Donc elle a tiré. Il me reste ce pack qui peut tirer nulle part ici. Donc qui tira là. Pardon, excuse-moi. Ça, c'est à moi, ça, ouais. T'inquiète, je m'en rappelle. Non, attends, c'est une flèche. Une flèche, c'est une flèche. Oui, oui, c'est pour indiquer que c'est lui qui a ramassé. Quand il les a fait. Voilà. Ici, on va faire. Écoute, on va faire le psy. Le psy. Et c'est là qu'on fait un as, ça s'appelle Gourmandise. Ouais. D'ailleurs, lui, c'est celui qui est resté qu'un PV. Hein. Ouais, c'était une drague. Je sais pas où il est passé le PV, mais c'est celui qui est resté. Bah, c'est celui-là, en fait. Je l'ai mis là, mais. Non, là, non, tu m'as là, fait. Non, non, aussi. Bah, je sais pas, écoute, j'avais dû l'enlever, excuse-moi. Ici, lui. Je crois que ça fait 4 fois qu'il a un PV. 6! Oh! Mais ça fait quand même 3 fois que je fais 6 dans la partie. Mais après, je fais petit normalement. Bon, là, si je fais 12, 9. 9, 2, 4, ça fait 6. Dès le miracle. Il me reste donc encore 3, c'est ça? Ouais, 3 sur mon Venval. Donc il en restera 6. 5. J'ai jeté un dé, j'ai fait quoi? Tu me l'as levé? Je sais plus. Excuse-moi, je suis désolé. Ouais, ouais comme par hasard. Vas-y, reroll, c'était pas naze. Vas-y, c'était pas naze, reroll, ça me dérange. C'est moi qui t'ai enlevé le dé. Vous rappelez le dé qu'il a fait sur le dé 2 fois ou pas? Le chat, il peut nous le dire en fait. Non, il a fait 6. Non, là maintenant, il vient de jeter. Il a fait 2. Les gars, si le chat peut nous le dire, parce qu'on l'a du coup, on l'a fait reroll, il a fait as, il avait pas fait as, donc c'est désavantageux. Non, non. Il me semble. Ah, 6? Ah ouais? Ah, bah c'est un 6 alors. Ah ouais, bah tiens, mets-toi le dé 6. Du coup, maintenant, je fais mes tirs normaux d'Arvon Venval. Donc, il y a un lance-flamme et il doit y avoir quelques bolters. Lui ne verra pas. T'as quoi qui peut tirer sur elle après? Il n'y a plus que ça, le reste à tirer. Si, l'armure, elle peut te tirer dessus. Elle peut tirer dessus, ouais, vas-y. C'est bon? Oui. Donc, 6, ouais, c'est bon, on l'a mis. Lance-flamme, 3. 3. PA 1, ignore cover. C'est bon? C'est bon. Ensuite, il va y avoir un bolter, deux bolters, trois bolters. Et le bolter du papa, c'est le même. Allez. Asie.
J'ai fait 3-6. Mais celui-là, il était violent, j'ai fait 9. Tout à l'heure, j'avais fait. Tout à l'heure, c'était des 6 qui comptaient pour des 3. J'ai eu 5. T'en as 2. Oui. C'est bon. Le purge, tu sais, purge machin truc là. Purge fou. Il touche pas, on s'en fout. Ok. L'armure. L'armure, soit elle tire dans. Non, elle veut tuer Morvenval. Elle veut tuer Morvenval, il n'y a pas de déconner. Moins de 8. Moins 1, tu peux pas avoir 2 fois moins 2. Si, tu peux l'avoir. Non. Seulement, tu le comptes une fois. Ah ouais, tu le comptes une fois. Si t'avais un plus 1. Non, ouais, non, mais je vois que t'es. Moins 2, plus 1. Ah ouais, ouais, non, bien sûr, je vois que t'es. T'es tout dans la rhétorique en fait. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ça se compte, mais c'est pas. Allez, on y va. 4 plus. Ça fait 3. 3, c'est pas mal. C'est stats. Force 10. C'est stats. Force 10. Sors du 3. Sors du 3. T'en fais 2 normalement. C'est stats. C'est stats. T'as 2 imbus. T'as 2 6 si tu veux. Mais t'as déjà fait un acte 2 fois. Non ? Pas du tout. Non, pas du tout. Si tu fais dégâts 3, je peux faire la première. Ouais, easy, t'es détente. Busy. T'es détente. Je vais faire la deuxième. Eh non, je vais. Il est bon, il est bon. Parce que je suis une sombre merde. Et je l'aurais fait comme ça, j'aurais fait 6 aussi. Ouais. Alors, je te fais le lance-flamme quand même. On y va, regarde bébé. 6 de lance-flamme. C'est Marseille bébé. C'est Marseille bébé. Moi, je prends que 3 dés. Je fais que 3 saves. Ah ben non. J'en fais qu'une. Ta force 6. Force 6. C'est con, j'en ai eu 7 maintenant. 7, bon, on a pris un en duel avec un du 6 l'année dernière. J'aurais peut-être dû tirer avant. Oh putain. Ça, ça écoute, on a tué là. Les parangons. Ça, non. Les gars, ils sont en vente. On a enlevé tous les Melta One Again. Elle a plus que 5 PV. Ça me va, ça me détend. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire. Elle va tuer ça, tuer ça. Elle va tuer plein de trucs. Elle va charger ici. Elle va raser mon armée. Elle va raser mon armée. On y va? Corps à corps? Mais je t'en prie. Bah tu... Ah non, j'ai la charge, excuse-moi, j'ai la charge. D'accord, tu l'avais annoncé. La non, charge ça, ici. C'est là. Ouais, mais c'est pour... J'espère rentrer ma charge et du coup mettre mes bonhommes. 6. Oh, voilà, ça doit rentrer. Six, ça doit rentrer, 6. J'ai moins de 7. 6, tous les jours. Oui. Et oui, à 6, ça touche presque. Ça touche ou pas à 6? Non. Non. C'est mieux. C'est mieux de pas toucher. Eh oui. Mais ça dépend pourquoi. Je parle pas fort. Eh, cochon, t'as vu les cochons? Moi, je suis un gros cochon, moi. Gros cochon. Tu vois? Tu vois comment ça passe sans toucher. Tu viens plus aux soirées, toi? Tu viens plus aux soirées? Même pas quand t'as pas aimé aux soirées, ni. Ouais, je n'aurai pas tant que ça au contact. Hein, non, 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 je veux dire que t'en auras 4 même. Ouais. C'est bien? C'est bien, 4 c'est déjà. C'est bien. 4, c'est bien déjà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Lui, il va venir à 3 ici. Lui, il va venir à 3. J'ai besoin d'aide miracle. Ici. On est début de. Ah non, on n'est pas. Putain, c'est dommage. Ici. J'aurais bien fait Strata Gratos plus Strata. L'an... Ah non, l'an, je peux pas. Il n'est pas changé. J'ai dit à 3. C'était beau, l'an, plus j'en ai un qui tape pas. Okay. Je prends 2 dénivers. J'en ai un qui tape pas. Allez, on y va. Mais je vous en prie. Donc, 1. Taisez donc ça. 2. 3. 4. Il y en a un qui tape pas, on a dit. On y va. J'ai préparé. Moins un hit, pardon. Moins un hit. Donc du coup, je te touche qu'à 4. Ah ouais, je vais rien te faire. Il y a 2 létales. Et ça, ça te blesse à 2. Ça fait 4. 4. AP à moins 2, dégâts 2. AP à moins 2, dégâts 2. Je te fais déjà ça. Une morte. Deux mortes. Je commence à en perdre trop, donc je vais... Moi, je devais la faire quand même comme ça. 3 mortes. 3 mortes. 1, 2, 3. Il reste le Libby. Il touche. Touche à 2 lui. 2 de base. Ouais. Il est que PA-1. Si. Ah, oui, mais c'est vrai que t'as moins 1 blesse. Ben, j'avais 2 létales et après le reste, je sais pas. Vas-y, vas-y. Donc là, tu blesses. Je blesse à 2, donc à 3. Il est que PA-1, on a dit lui. Donc, une morte. Voilà, deuxième, je vais la tenter comme ça. C'est bon. Okay. Une bien plus. Okay. Au moins, ça sera celle-ci. Non, ça sera celle-ci. Là. Belle. Je suis en contact, donc je peux rien faire de plus. À moi. C'est, écoute, j'ai envie de dire que c'est à toi, tu peux activer là ou là, c'est toi qui vois. Mais là, le problème, c'est que t'as combien d'attaques ici? J'en ai plus que 5. 5 attaques, t'as moins 2 ou moins 1. Ça va taper là. Tu actives là-bas d'abord hein. Ouais, tu sais que là, je te tuerai pas en fait. T'as le moins 1 hit, moins 1 wound là. Vas-y. Alors que là, 6, là, je vais te tuer en fait. 8. 5, 8, 2 plus, 5 plus, 2 plus, 5 plus. Oh, c'est pas très fou. Oh putain, t'en as 3 quoi, frérot. Je n'ai que 3 ouais. Là-bas? Ouais. Après, on t'en a vu. Moins 2. Avec énergie.
T'en as un qui meurt parce qu'il avait qu'un PV et un à 2 PV. Te casse pas la tête, il va revenir. Ouais, mais bon, ça m'enlève les attaques en fait. Tu as tué le triomphe ou pas ? Non, j'ai pas tapé encore. Pas tapé. Du coup, je vais activer là. Forcément. Je vais mettre mes 5 pipes. T'as un perso là-dedans ? Ouais. Il peut se mettre en 2+, c'est trop tard, il peut plus se mettre là-dedans. C'est au début, début de phase, ouais, mais vas-y, je m'en branle. Est-ce que je ferais pas un PC ? Ouais, mais si je ferais pas un PC pour précision ? Si je le tue, ça change quoi ? Rien de spécial. Pas spécialement. Là, ça va rien changer. Spécial, tout est dégâts 2, donc normalement, je devrais être cramé la truc. J'ai pas de strata gratuit au prochain. Ouais, ouais, mais c'est juste qu'après, tu pourras activer la 2+. Maintenant, tu l'as pas activé autant que t'as besoin. Ouais, mais techniquement. Non, c'est force 4 le triomphe. Amaury dit force 5. Moi, je sais pas, je connais pas. Ouais, c'est pas grave dans tous les cas. Vas-y, tu dis quoi, techniquement quoi ? T'as combien d'attaques ? 5 attaques, mais je touche qu'à 4. 2, 3, 4, vas-y. Ouais, je vais faire mon. En secondaire, il a eu je fais mon précision, d'accord ? J'essaye. J'essaye, il y a un coup à tenter. Il y en a 2, il y en a 3. A 2 plus. 3 plus. 3 plus, ça change pas. Marteau, 3 plus ? Ah ouais, t'as moins 1. J'ai moins 1. Mais force 14, ouais, vas-y. 3 invus, tu peux en faire une là-bas. Je sais pas si t'as une invue avec ça. Si, il y a vu à 4. Vas-y, il y a 4. Voilà, la première. Elle a 3 PV ? Elle a 3 PV. Elle est morte, c'est des 6 plus. Et je peux pas la reroll, donc elle est morte. Donc, quand même, c'est mort. Donc j'ai utilisé précision, j'ai tué la canonnesse qui lui enlève son dégâts de 4 PV, tu fais dégâts 4 toi de toute façon. Non, c'est D6, c'est D6 plus 2, plus 2 ça marteau, je fais 3. Ça, je gagne quand même un dé de miracle. Et du coup, il y a encore une save à faire parce que c'est précision, ça saute sur un autre gars. Exact. Ah ouais. C'est bon. C'est bon, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus 1. Ouais. Tout sur la Dreadknight. Vas-y, je suis la Nemesis. 2, les gars, vous deviez pas me ramener à boire. Vous deviez pas me ramener à boire en forêt. 5. Tu me mouves même pas, rien du tout. D6 plus 1, marteau, pas D6 plus 2. Ah, c'est D6 plus 1. Ouais, c'est pas D6 plus 2. Jette le dé, frérot. Tu vas faire un as. Vous êtes sûr que c'est pas D6 plus 2? Bah, j'ai fait 6. Ouais, mais c'est triste, hein. C'est triste de tricher. C'est 7. C'est triste de tricher à ce niveau-là. Ah ouais? Putain, il faut jouer un peu plus les GK. Je te touche en 3. Je te touche en 3. Je te touche en 3. Je vais garder un dé. Je vais faire. Il doit avoir un briquet. Je touche en 3. Tu peux me lever le 6, s'il te plaît, comme ça tu me le poses. Attends, tiens, je le mets ici. Je l'enlève, mais tu le mets là. Tu le mets, voilà. Comme ça, ça fait un létal en plus. Ça touche pas. Et je te blesse à 6. Je rajoute 3. Ça fait 6. PA. P1 seulement ? Ouais, bon, ça suffit pour que tu tues. Si j'en rate une, je suis mort. Est-ce que j'explose ? Non. Au revoir. Ici ? Non, c'est le grand maître qui vient de mourir. Il reste ici. Ici, donc lui, il est plus proche de lui que de lui, j'ai vérifié. C'est celui que j'ai fait. Donc je viens me mettre là pour taper là. Ouais, enfin, au pire des cas, tu pouvais même le faire. Oui, mais j'ai mesuré avant. N'inquiète pas. Tac. On va faire lui déjà, tape dedans et après. Oui, tape dedans. Allez, vas-y, on y va. Ça touche que 2 fois, ça blesse à 2+. Il y en a qu'une, écoute. J'ai encore un PC. Ouais, t'as encore un PC. La save est comme un con. Vas-y, si tu veux. Non, mais j'aurais pu la relever. Ouais. Vas-y. Une, tu m'as dit ? Ah, une seule, j'ai fait, ouais. Sur le gars. Bam ! Si, bam ! Ici, ok. Ensuite, je vais faire Drago dans le. Ouais, tout le reste dans le triomphe. Ouais, je vais déjà faire Drago, regarde, ça touche. 1, 2. Drago qui se fait. Force 8, tendu 3, on a dit, c'est du 2+. C'est PA-4. Un but. Flat 3. Invulnérable, je peux te faire déjà ça. Joli. Je peux te faire un truc comme ça. Ça fait 3. Puis je te fais un truc comme ça. Ça fait 3 PV. C'est tout, Drago. Quelle pipe. C'est une pipe passe et il m'en reste 3. Donc 1. 3 PV, Drago, sur le truc. 2, oh, je te la soulève, le triomphe. 3. Ça fait 18 tours qu'on est là-bas. Tiens. Allez, fais-moi ça d'un vu. C'est flat 2, il te reste. J'ai jeté le dé pour la canonesse ? Bien sûr que non. Je sais pas. Un 4. 4, vas-y. Donc, du coup, il te reste combien de points de vie ? T'as resté ? Je t'en avais mis. Ça y est, ils sont derrière 8. T'as 18 PV, je t'en ai mis 10, c'est tout. Ok. 10. Allez, regarde, on va faire ça. Ça, c'est tombé derrière. C'est dégâts 2 là ? Ouais. 1, 2, 3, 4, ça fait 8 PV. 18 est mort. Donc, attends. Je vais utiliser PC reroll. Vas-y, PC reroll. Elle est morte! T'es de la chatte, hein, frérot. Parce que d'après, j'avais mon 4. J'aurais dû te tuer avant. Et je vais faire un des deux miracles qui va faire un as. Un as! Il n'y a plus Ginette. Ginette s'en va. Est-ce qu'elle explose? On va revenir là, à 3. Fin de ton tour? Fin de ton tour. Fin de ton tour. Oui, fin de son tour.
Bah vas-y, du temps, je fais des miracles. 4 ouais. plus. Fin de mon tour. Bah pour l'instant, je score rien. Je vais jeter sabotage. Oui. Ce qui va me faire gagner un PC. Et c'est à toi. Sont T4. Il gagne un PC, je gagne un PC. Il gagne 5 points de primeur. Il gagne 5 points de primeur. C'est 8 maintenant. C'est 8, bien ouais. Allez, il disparaît derrière l'objectif là-bas. Si vous pouvez l'enlever, ça me fait plaisir. On ne pourra pas de suite. Ouais, on l'enlèvera. Il n'y est plus. On sait qu'il n'y est plus. 5. J'ai plus de trucs comme ça. Donc il fait 8 points. Poup. Et je lui tire. Vous êtes prêts? Je lui tire sabotage et Kulzord, il ne peut pas. Engage all front. Pourquoi sabotage, je ne peux pas? Non, Kulzord, tu ne peux pas. Ah oui. Sabotage. Merci et... pour la binous. Sabotage et. Sabotage et engage. Sabotage et pour engage. L'instant, t'as quoi? 31 pour lui, 35 pour moi. C'est ça. C'est hyper sérieux en fait. Ici, ce qui va se passer, c'est que ça va bouger là. Ah. De 6 pour venir. Ah, c'est surtout que j'ai sorti les parangons en fait. Il y aura 5 PV. Ici, je pourrais pas aller jusque là-bas donc je vais rester là. Sabotage, on verra. Ah, mais quoi? Ici, ça là, ça là, ça là. Alors qu'est-ce que je tue là cette fois-ci, les copains? Il a pas. Alors les loulous, qu'est-ce qu'on va tuer aujourd'hui? Je passe à 2 PC, mais ça c'est bon. Un PC, vous serez un PC. Un PC parce que j'ai fait la ouais, main. Tu l'avais pas levé. Le bloc de 5 dominions à poil qui tient l'objectif là. 4 PV là-bas il te reste? Je me fais une redline. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu peux te faire une redline plus ça après. Qu'est-ce qu'il y a frérot? Moi il me reste pas grand-chose sur la table. Moi aussi il me reste pas grand-chose. Faut dire YOLO. Juste que je vais tuer ça à son tour et je vais partir en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer, les chéris? Je vous ai dit. Il va tirer sur la red light et va charger sur le terrain. Pistolet là. Ouais. Tout le monde a envie? Je fais déjà le pistolet. Attends, je pourrais t'overwatch là. Avec mon armure. Il te reste que 5 PV. Si tu veux. Allez, je le fais pas. Si tu veux perdre un PC, tu fais comme tu veux. Pistofu. Arrêtez un peu. Non. Pistofu, non. Il est pas joueur, le gars. Ensuite, c'est quoi qu'on fait là? Il est pas joueur. Je te tire dessus. Ah, ils ont des pistolets. Ils ont. Regarde où ils ont collé pour montrer qu'ils en ont. Contre le bouclier. Putain, t'es Wheezy, toi. C'est pas moi, c'est la mission bidon, par contre. Ouais, bah, en même temps, tu tirais comme bouclier, c'est pas facile à viser. Tu tirais comme bouclier. Mais c'est ça, regarde la chaîne. Le pistolet, dans le bouclier. Parce qu'il fallait mettre des armes. Bon, bravo. T'as le mec, c'est un puriste. Hein. Par contre, t'essaies pas de me niquer. Bah, allez, vas-y, Morvenval. Allez, Morvenval. Morvenval. Morvenval, montre-nous ce que tu sais faire. De plus. Zbra. C'est quoi qu'elle a fait là? Elle tire là. Pouah. Force 9, 3 plus, la première. Easy busy. La deuxième. Bam, un petit 3. Bim. Donc tu m'as fait 2 blessures. 2 blessures, père moins 2. Père moins 2. Pas de cover. Pas de cover. Parce que tu n'es pas à cover. Ah. Alors, tu dans les yeux, c'est dégâts. Il a payé sa reroll. Bah, à guise de l'imaginaire. Ah, c'est un truc. Attends, je vais faire une reroll. Vas-y, vas-y. Il va passer à 6. Non, j'ai raté. Ah, hop. Fuck. Ah. Poup. Ah, vas-y. Attends, allez, tue-moi. Allez, votre trou, utilisez ça. Ça sera un 4 si j'ai 4 PV. Poup, ok, elle est morte. Est-ce qu'elle explose? On s'en fout. Attends, excuse-moi, j'ai utilisé un 4. Ouais. J'ai tué une unité. Ouais. Je regagne un dé de miracle parce que vas-y. C'est mort 20 balles. Un 5. Un petit c'est 5. Beaucoup mieux. Ça marche même quand elle est pas dans, quand elle est pas leading? Elle s'en bat les couilles. Elle triche. Elle triche. Elle dit, moi, les copains, c'est juste histoire elle de pas être toute seule. Elle triche, mort 20 balles. Phase de charge. Mais il m'a tué la moitié. Tout ce qui m'a tué, c'est avec mort 20 balles. La force est Bon, Venval, c'est Highlander, il n'en restera qu'un. Ça fait une charge à combien? Ça fait une petite charge. Ouais, je pense que tu peux mettre un 2. Je vais mettre un 2 pour faire une charge auto parce que je suis un peu une sombre merde. Ouais. Vas-y. Elle fait comme ça. Bam! Tank shock! Attends, non, tank shock ou une petite précision histoire de dire. Tu sais, ton petit gars, il est nickel mouk. On va garder précision. Ah, ils vont me garder pour précision. 7D, j'aurais fait 8, 6 si tu aurais dit tu triches. Ouais, 7D. Non, mais avant c'était bien là, avec la petite masse là, force. Allez. 14. Cac ou quoi? Cac. Je vais cramer mon as pour avoir 3 attaques de plus. Oh putain. Je vais faire précision. Parce oh que... putain, elle a plus de PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es PA combien avec elle? Tu es PA combien? PA 3. PA 3. Dégâts 3, dégâts wound. Allez, c'est bon. Ah, mais. Elle vaut 1000 points, non? Oh, c'est pas beau. T'es pas... Ça va que je touche en deux. Ouais, ça va. pour 1000 points, allez, je vais garder un dé au cas où. Ouais. Je vais te faire ça. Ah, déjà, ouais. Déjà PA2, ça. PA2, on dit PA2. PA2. PA2, je mets Armor of Content, vous rigolez quoi? Ah oui, tu mets. Non, ça va, elle fait des le dernier. Elle a vraiment des Devawound avec ça. Elle me tue même. Donc attends, t'as ça de save sur ton patron.
et en précision. Ouais. Et donc vas-y. Fais-les une par une. Fais-les, vas-y. Attends, attends, je vais le faire. Donc ça c'est PA-2. Donc. Il est content d'être heureux. Donc mon perso, c'est dégâts combien? Dégâts 3. Donc, il donc est mort. Là, t'as tué mon perso. Ça, et tu perds 4 thermies. Eh ben, ouah regarde. Pouah papa. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a enfoiré? 1, 2, 3, 4. Eh ben, eh ben, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. Il n'en restera qu'un. Arrête, c'est Highlander, je t'ai dit. C'est vrai que votre truc peut gagner la game encore. Bien sûr qu'il peut gagner la game. Ouais, tant que j'ai au moins 3 PV sur mon van, valise-y. Elle fait toute la table. Elle est partie de là, frérot. Elle a fait. On a sorti les 4 armures, non? C'est tu mon van, t'as les 4 armures. Ouais. Non, mais elle est. Taper. Cette data sheet est très équilibrée. elle est assise. Elle, carrément pas. Les paragons, oui, mais elle, elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est avec Magnus. Seul, ils elle, sont 2-3 dans le jeu comme ça. Elle, Magnus et je sais pas qui d'autre. Célestine. Ouais. Alors, on était où? À moi? Ben, tu peux faire, tu peux taper. Non, là, je vais taper là, lui, je m'en branle de lui. Si je vais taper là. C'est ton choix. Est-ce que je tape pas dans mon Venval? Ça serait rigolo si je lui mets des PV. T'es prêt ou pas? Regarde, dans mon Venval. J'ai des dés. Mais ça te les fait utiliser, mec. Ça te les fait utiliser, c'est ça qui est important. Boop, y'a pas de moins un touché? Non, c'est mon Venval. Non. Tu boop. Eh ben écoute, il y en a 3, PA-2, dégâts 2. Pourquoi tu es force combien avec? Je suis force 6. Ah pardon, j'ai entendu 7. Il n'y en a que 2 alors. Tu peux mettre tes 2 actes deux fois. C'est dégâts 2? Ouais. T'as des choses qui sont dégâts 3 après? Non. Alors, si, je défectionne. Bon, bah alors je la réussis celle-là. Ouais. On en prend plus. Je vais utiliser la 5. J'ai Drego qui est dégâts 3, j'ai le pur jeu machin truc qui est dégâts 3. Drego, il est dépassé. Tu me poses la question. Il a 7000 ans au moins, frérot. Il est mort, il est cuit. Tu me poses la question. Trop de randonnées, Drego. Tu me poses la question. 7000 ans de randonnée. Je te réponds, c'est tout. Oh les gars, il me reste, on est d'accord qu'il me reste que 2 packs sur la table, ça 3, 4, 5. Accessoirement, il reste que 2 packs à lui aussi. 6, hein. Mais. Oui, mais. Les siens sont plus forts que les miens. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, j'ai la petite championne. Bah finalement, tu vas peut-être revenir. Les deux ne touchent pas. Ah oui, d'Ivoire, il met 16 points de primaire, en Rostro. Eh oui, j'avais l'objet là. Parce qu'il avait les deux. Non, c'est moi qui l'avais là. J'avais trois termines dessus. Jamais de la vie, frérot. T'as haussé combien avec ces figurines? Hein? T'as haussé quoi avec? Je sais. Bah, moi j'ai haussé 3 par main, par termine, j'avais 3 termines. PA1, PA1, tu meurs. PA1, ça, c'est PA1 ça? Oui. C'est 3 c'est 8-8. Voilà. Au revoir. Dégâts 2? Ouais. Tour 4. Allez, il se rapproche du centre ici. Il ne contrôlait pas votre l'objectif du centre. Non, j'avais que 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il était au C3, je crois. Et moi, j'en avais au moins 2 et c'était au C3. J'en avais 3. Tu avais toutes les squads. Oui, oui. Enfin, pas toutes les squads, je ne pouvais pas, mais. Ici. Et là, non, il marque 8 parce qu'il y avait. Cette partie, elle est en train de. J'avais quoi comme objectif? T'avais les sabotages et les cartes de table. Alors, les. T'as fini ton tour là? Attends, je vais taper, je vais tuer la nénette là. Je discarde pour avoir un PC. Putain, j'aurais jamais dû lever Real Deny, j'aurais jamais dû lever Assassinat. On savait pas que t'allais tuer une armée entière avec un bonhomme. Drego là-bas. Il me reste 27 minutes. Vous voyez, mine de rien, la charge à 6 que j'ai raté, elle m'a fait perdre un tour en fait. Les gars, mais personne m'écoute. Tiens, 4. C'est sur qui? Sur elle là-bas? Ouais, c'est Drego. Puis à moins de 4, on est vu quoi. Oh, comme j'aimerais trop te troll parce que je crois qu'elle est passée en invue 4 celle-là. Alors je vais faire ça. Puis je vais faire ça. Je vais PC reroll. Vas-y. PC reroll, là, il y a tous les mecs qui tapent encore. Il lui reste un PV. Ah non, en plus non, parce que c'est le discard. Et puis t'as plus de PC en plus. Allez, dé de miracle. T'as plus de PC. Un as. Elle est morte. Ok. Est-ce qu'elle explose? Un as, j'ai dit. Ok, donc lui, cet objet, il est ouais, plus là. Ouais, donc moi, je suis Drego, je suis sur un objet qui n'existe plus. Okay. J'enlèverai mes bonhommes après, attends, que je. Du coup, je fais défense strongold, donc je fais 3 points moi, donc je monte à 38. Défense strongold, pourquoi tu fais défense strongold? Bah, tu l'as pas pris mon. Non, t'es toujours sticky. Ah, moi j'ai sticky. J'allais dire parce que frérot, y'a personne dessus. Et bien alors, tu me l'as pas pris quand même. Et alors, je suis sticky moi. Du coup, toi tu fais ni engage. J'ai fait pipi là, c'est à moi. Tu fais ni engage. Attention parce qu'il est sur ma clope pendant qu'il raconte sa vie et tout. Non, donc pas il... passer, vas-y, là, après, il allez, c'est pas grave, allez, ça va. Allez, engage sabotage. Allez, faisons des blagues sur ma cloche. Toutes les sauvegardes, on y va. Allez, tu les jettes ou tu les gardes? Je les discarde, j'ai pris un discard. Allez. Et là, je passe poup. Et je gagne. Excuse-moi, on passe à tour de qui là? On passe à mon T4. Bendy, tu mets pas de primaire. Non. Je m'en vais là-bas et je m'en vais ici. Ok. Donc mes deux unités s'en vont. Ils s'en vont. Ok. Ouais, moi je vais. Putain, vous me rendez fou. Gros, ouais. J'ai plus d'unité que toi sur la table. Et ouais, je sais. Attends, je mets mes points. C'est naze.
T4. Je gagne un PC, je passe à 2 PC. Pour l'instant, il y a 38 pour moi. Je suis à 2 PC aussi, mon copain. Ouais. Je suis à 2 PC. Moi. T'es à... J'ai 10 cartes au tour d'avant et là, je viens de gagner mon PC. T'es à 2 PC. 10... Ouais, c'est ça, ouais. 2 PC chacun, ok. Du coup, ouais, je tire. Donc, eux, ils sont pas sur la table. Et je tire Extend Battle Line et Engage All Front. Engage, je peux le faire encore quand j'ai que 2 unités? Non. Non. Donc, je le relance, c'est ça? Oui. Et à la place, j'ai tiré Storm Hostile Objectif. Non, il y a celui de sa zone. Où ça, ici? Non, j'ai dit que je mettais les figurines pour l'empêcher de faire patrouille. Il m'a dit ici, okay, là c'est bon. Non, là-bas, tu parles. Oui, et ici, normalement, j'ai rapproché du centre, tu peux pas venir parce que je fais. Oui, non, il faut 32. Je viens de le faire. Non, oui, mais tu l'as rejeté sur la table. Ouais. Aucun sens ce que tu as fait. Ouais, j'ai fait le maximum de mon bras. C'est aucun sens, Mali, qui t'a dit. Hey, je peux toujours essayer de me faire allonger le bras, mais. Oui, il a traité Mali de Mali. Il faut rajouter une deuxième opération en Turquie. ok, donc Storm et Engage. Donc Storm et Engage. Et non, pas Engage, on a dit Storm et Extend. Donc Extend, c'est facile, il faut que j'ai un objet. Et là. Bah, t'as juste un pop ici en vrai. Ouais, elle est dans le décor. Nanani, nanana. On va essayer de la snipass. Ça y est. C'est là que l'as il est beau. C'est vrai que c'est mieux. C'est mieux que tout. L'as, il y a pris un 6, frérot. Bam. Et après, je dis. Après, je prends un petit, voilà. Je prends un petit oiseau, je fais oh, dis-lui que j'arrive. Un petit chérubin tout nu là. Elle arrive. Elle a trop tourné. I'll be back. Il y a Thierry qui nous dit grosse ambiance, les gars, vous nous régalez. Ben, on est content que ça vous plaise, les gars. Parce que là, frérot, je te le dis, cool, tu loupes ça. Si je la loupe, si je la loupe, j'ai perdu la game. Je tu sais. Tu perds la game. Et tu perds la game. Déjà, je vais pisser sur ta bagnole. Tu sais ce que c'est le talent des grands joueurs? C'est de rater les 6 rerolls et de rentrer les 9 secs. Et ça, allez, quand je vais rentrer le 9 sec et que je vais claquer mon main de mal. C'est pas ça, c'est l'as au psy que tu vas faire ici. Parce que, et si vous comptez sur mes as pour gagner? Oui! Effectivement! On compte sur tes as! Effectivement, on compte sur tes as! Si tu permets, je vais mettre, c'est ce dé-là que tu utilises. Non, non, t'inquiète, je choisis mes dés. Oh. Quoi? Ça, c'est le dé de la meurelle. T'inquiète, pas, j'ai besoin de personne. On y va? Allez. On va commencer direct par ça, d'accord? Attendez. Quoi? Je lui explique rapidement. Benji, il lui reste 2 unités. Allez, sur ma clock. Il est... Oh, ça va. Vas-y, je suis easy, il me reste 27 minutes. Allez, vas-y. Mais vas-y, alors. Alors, on commence direct par le pépère. Vous êtes prêts? Les mortels. C'est les mortels? 3. Ah! C'est contre faire 4. Malik, c'est pour toi, frérot. C'est contre faire 4. Pam. 4. 4. Je peux pas reroll, ça. Ah. Il en reste un PV. Ah, il en reste un PV. Là, elle est vénère, là. Ah, la PV. Il en reste un PV. Tu deviens un loin de martyr pendant un ouais, si je veux, et elle peut revenir à la vie. Allez, vas-y, on tire avec tout le pack. Lance-flamme. 6. Ah, je vais mettre moins 1 hit, parce que vu que tu vas essayer de trucs pour un PC. Ok, donc, il te restera un PC. Donc, du lance-flamme. Il y en a 2. PA moins 1. Pas de terrain, c'est le cover. Non, il y a cover. Donc il a fait ses 2 actes, ok? Donc tu peux plus en faire. Les tirs. Purge machin truc. Tu sais dire ça touche. Ça touche. Ça rate. Bolter. Je vais la tuer au bolter. C'est la classe de tuer au bolter. 1, 2, 3, 4. Ça fait un joli climax. Comment ça 4? Ils sont 5, 6 même, il y a l'autre canin. 5. Encore? Encore un desktop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Les gars, vous êtes prêts ou quoi? C'est les botteurs de l'empereur. Moins un touché sur du 4. On est quasiment 160 en live. Tout le monde est accroché à ce qui se passe sur cette fin de partie. Hein. Ça. Et je te lève le dernier parce que ça me fait plaisir. Allez, vas-y. Il faut faire du 5. Ouais, parce que les 5, ça fait gagner des games. Il y en a beaucoup, il faut pas faire d'as, tu peux pas faire de reroll. Si, pourquoi? Allez, ça va, j'ai le droit de te mettre un peu de pression. Putain, et grâce. Ouais, c'est si tu fais 2 as. Et grâce au rule commentary. Oh, il fait 0 as, attends, faut voir. Allez, on réactive de l'autre côté, c'est bon? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, chaque chose en son temps. 1, 2, 3, 4. Morvenval, il est allé voir l'autre psy, il a dit viens voir à Pépito. Oh, regarde Pépito, s'il te plaît. Tu vas prendre un karma.
Mais bam, le karma, il a commencé avant que je fasse le malin. Ouais, le karma, il est bien revenu. C'est quoi ça? C'est tous les tirs des autres bolters. À moins un, toujours. J'ai fait trop de tirs, je crois. T'as fait quoi? Ah, j'ai fait trop de tirs, c'est ça que vous voulez me dire? Je pense. Allez, vas-y. Alors, du coup, j'en ai fait un. La personne qui dit ça, c'est accessoirement la personne qui est propriétaire de la liste, je pense. Un. Deux. Ah, merci, putain. Merci, alors, attendez, recommençons. Recommençons. Et c'est ton maître spirituel en plus. C'est moi qui plus tes cistas. 3 bolters plus incinérateur, le médic a rien. Alors attendez, on recommence. Ça gruge depuis tout à l'heure. On recommence. Et appelez l'arbitre, les gars, là, il y a au moins carton. Allez, on recommence. Donc du coup, si j'en ai... Ça n'a rien fait, donc on s'en branle. Et du coup, j'en enlève un de là, parce que j'en ai fait un de trop ici. D'accord. Ça te va? Ouais. On est d'accord? T'en as fait 6, là. J'en ai fait 6. Et ben alors, du coup, je devais en faire que 4. C'est vrai que t'en as fait 6, t'as un lance-flamme. Déjà, de base, il y a un problème, frérot. Ah, putain, je suis fatigué, les mecs. Il y a trop de bruit, trop de trucs, trop de 6, j'en peux plus. 3 et 3, c'est bon, 3 et 3, 6. Me fatiguez tous, vous fatiguez. Non, 6, c'est 4 tirs par mec. Il a fait 6 fois 4. Il a ça fait 4 tirs de Voltaire. Ouais, ce qui fait qu'en fait, ça fait 3 et 3. Raison, ok. Ça fait 3 et 3. Alors, je fais que Drego. Allez, je fais que Drego. D'accord? C'est oui, vous m'avez fatigué, il y a 500 milliards de bruit. Allez, je vais jeter les dés, c'est Drego. T'as oublié le combi du Libi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais non, j'ai fait le combi du Libi dans les gars, en fait. C'est ça que je vous dis. Mais c'est pas grave. Cherchons pas à se battre. Force 4. Allez. 1, 6. Lui, il a de la PA, je crois. Il a pas de la PA, le bolter. Ouais. Non, c'est un bolter. Allez, vous faire voir. Wow. Putain, vous faites 0 fort. Je vais le faire. Allez, pouvoir tir de Drego. Je crois que c'est 2. Ouais, c'est 2, t'as bien dit hier. Il touche 2 fois. Je crois qu'il est force 6, on a dit. Là, c'est con, ça reste un 5. Ça ne compte quand même ça que fait rien. Allez, ok, c'est pas grave. Il y a un lance-flamme quand même ici, j'ai le droit de le faire. Tu as le droit. 3. C'est 3 tirs, l'arme de Drego. Alors attends, il y a 2 lance-flammes. Oui. Et je te ferai un tir de Drego en plus. 2 lance-flammes à PA-1. Allez, la première. Réussi. Et ouais, il n'y a pas trop d'as sur les dés. Oh. Double 6. Regarde, le dernier tir de Drego. Il touche. Il blesse toujours pas. Ok. J'ai fait. C'est l'heure de déclarer les charges. Aïe. C'est pas moi. C'est pas un démon, Morvenval. Morvenval, c'est pas un démon, non. Charge de Drego dans Morvenval. Charge à 9. Elle est là. Voilà. Elle est là. Je vous l'avais dit ou pas? Mais bien sûr. J'ai dit, je la rentrerai du premier coup. Mais bien sûr. Je fais 10, donc je peux bien contacter. Il n'y a pas de. Tu peux venir me faire une intervention. Nanana, on s'en branle. On va tous les mettre bien pour lui taper dessus. Ici. Ici. 3, 6, moins 2, 2 pour. 3 attaques, allez. 6, moins 2, 2. Ici. En vrai, ça fera pas une grosse win, je pensais, pour lui. Non. Bah après, il y avait 15 points à la fin, déjà rien que ça. Heureusement qu'il risque sa charge, la fin. Oui, si je rentre pas la charge. Ah oui, oui. Si je rentre pas le 9 reroll, c'est poubelle. Parce qu'avec une figurine à un PV, tu peux raser 10 Terminators. Et... ouais, en un tour en plus. Tu veux intervention ou pas, ou tout à l'heure? Non, comme ça, je vais pouvoir te tirer dessus avant de te charger après, avoir l'initiative du 14. Ok, moi, je vais faire quoi? J'ai 2 PC. Attends. Il n'existera pas. Ce que tu vas faire déjà, ce que tu vas faire. Que c'est que tu vas avoir moins 8. Je vais avoir moins 8. Ça, c'est la base. Il tente sa chance. Je vais avoir moins 1 hit. Je vais mettre mes 2 PC pour taper en Deva Wound. Il faut que je la tue. Ah là là, j'ai vu comme ça. On commence par Drego, ok? D'accord, allez. Il touche à 3 du coup. Oh, oh non, c'est 4-2. Eh oui, mais lâche qu'il a, frérot. Il va faire 1-6, regarde. Il fait 1-6. J'avais un 6 C'est quand il n'y aura pas de débat déjà. Je veux pas la faire rien. Allez, vas-y, une AP à moins 4, elle a vu. Vas-y, c'est bon. Putain, je vais pas la tuer, tu vas voir. 1, 2. À 3, je ne sais pas. Il est force 6. Je sais pas. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. 1, 2, 3, 4. Une, je fais une. Tu as fait à l'étal et après tu as jeté une blesse, tu as fait un 3. Bah oui. Donc c'est bon. Je sais pas, moi, c'est lui qui fait force 8. Oui, bien sûr. Je sais pas. Non, mais dites-le moi, je fais. Eh ben moi, je sais pas, vous me rendez fou. Je peux pas faire ma partie tranquillement en fait. Moi, il me dit, je fais. C'est comme ça. Ok. On y va, les pépères. Moins un touché. Après, c'est rien. Allez, laissez-moi. Vous me respectez pas mon temps de jeu. On joue sur ma cloque. Oh mon dieu. On joue sur ma cloque, c'est bon. Appelle-moi les arbitres. Benji, il a le même. Que Drego, donc allez, vas-y. Tiens, il y a 5 saves. Ouais, mais vas-y, on l'étale. D'abord, je tends ça. Ça fait pas beaucoup de touches. Ah, pour la tuer, ça va être dur quand même. Hein. Fait des détails ou quoi? Ah, ouais, ils sont là. Force 2 okay. Deva, voilà, elle est morte. Ouais. Attends, parce que 5 saves, frérot, moi tous les jours je fais ça. Bien sûr, ouais, tu mourrais, allez, ça va. Je gagne un dé de miracle quand même, et ça sera un 5. Ça explose bien cette merde, non? Ça explose cette merde, non? Non, parce que ça risquerait de tuer des sœurs. On est d'accord que l'objet du milieu, il s'en va.
Oui. Donc ça sert à rien que j'avance vers lui et tout. Si je viens, il peut me tirer dessus. Si je pilote. Là, c'est endgame. Le seul truc que je peux faire. J'ai même pas de personnage. J'aurais pu faire une précision histoire de faire la blague. Ouais. Ok. Bon, on va rester comme ça. Du coup, ça va faire. Un des miracles pour moi. On a dit quoi? Extend, je fais. Un des miracles. Et. Ah si, attendez, il faut que je monte pour faire Storm. Il faut quand même que je vienne pour faire Storm. Parce que là, t'as haussé combien? Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc il faut que je vienne en fait. Pour faire Storm, il faut que j'en. Si, de toute façon, si je bouge, je suis obligé d'activer. Donc 1, 2, 3, 2, 3. Il a mis 9 points d'ossier sur l'objectif. 4. Pour l'instant, je vais le taper là maintenant qu'il m'a contacté le garçon. Ouais, faut que tu lui enlèves 4 thermiques. Eh ben, pas de problème. Avec du létalite, dégâts 2. Allez. Vendu. Je vais garder pour l'autre qui est force 5. Donc ça touche. 1, 2. Mais t'es bonne cette partie quand même. 4, 5. Et c'est type 1. Allez, c'est parti, bébé. C'est parti. Pardon. Parce que ça, moi, c'est létal. Même quand je change pas. Parce que je suis système. Eh oui. What else? Force 4. Écoute, on va faire ça en plus, hein. Plus les deux létales. Ah pardon, excusez-moi. Vas-y. PA. Ça fait 2 PV. J'ai encore 3 attaques de fillette. Tu es permis. 3 attaques de fillette. Je vais faire en 3. Létale aussi ou quoi? Non, pas celle-là. Donc ça fait 3 blesses. Attends, parce que moi je suis joueur. 3 blesses. 1, 2, et je te fais la dernière à la main. Non, 2 s'il te plaît. Perds moins 2 là. Et il est mort. C'est flat 3. Flat 2. Mais ah, je t'ai fait 2 PV avant. Donc, mais c'était dégâts 1 les autres attaques. 2. Tout est dégâts 2. Et bien alors ça tue 1 et là ça tue, c'est que dégâts 2. Ouais, ça met 2 PV. T'en avais loupé qu'une tout à l'heure. T'as fait un 2 et 3. Je suis PA 1. Ben donc il est mort avec dégâts 2. Ah, t'avais un gars avec un PV, pardon. Oui. Pour moi, je t'ai fait 2 PV et là je t'en tue. Et là il reste un mec avec un PV. Ok. Comme ça je vais te tuer. Oh les gars, vous regardez pas la même chaîne comment ou quoi? Non. Du coup, j'étais Storm Hostile. Donc je t'ai fait 4 points de Storm Hostile et j'ai fait 5 de Extend. Ça fait 47 pour moi. C'est ça? Ouais, début de mon tour, donc 0 pour moi, j'ai déjà fait les Donc début du là-bas. T5, on gagne un PC, on gagne un PC. Mais bon, il t'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai utilisé un 4 que j'avais pas encore, mais c'est pas grave. On s'en branle. Engage, je l'avais pas, il est parti, j'ai juste oublié 2, 3, 4, 5. On passe au T5, votre trouve plus de primaire. Alors, je tire dessus. J'ai compris, il y a déjà... Je te tire Tu veux savoir ce que t'as à faire ou tu t'en branles? Ben, je peux rien faire de spécial, je pourrais pas faire d'actuary. Recover nos prisonniers. Bah, nos prisonniers, si tu veux. Allez, je te tire au bolter d'abord dessus. Les bases, ils sont en craft, on s'en fout là, ça n'a plus qu'un intérêt. Si, je veux tuer juste le perso. Je veux tuer le perso. Ouais. Une save. Une save. C'est par ego ou c'est... Ouais, c'est de l'ego. Ça, et après le pistofu. Force 8, non. Je vais le reroll. Je vais reroll avec un 5. Allez, une save invue. Tu m'as mis une save invue? Ouais. Allez, vas-y. Ouais. Ça me fait quoi ça? Ça fait 3 PV. D'Andrego? Non. Ah, tu tues un bonhomme. T'as fait tout ça pour tuer un bonhomme là? Oui, mais attends, je vais taper. Tu tapes d'abord toi au corps à corps et après je tape au corps à corps pour voir si j'arrive à faire nos prisonniers. Allez, je vais faire 6 PV, 6 pavas de. Parce que j'avais été en train de faire vite pour aller vite. Drigo, Drigo, il y va. Il te va te mettre. Cette fois-ci, il touche 5 fois à 2 plus. T'as des invus là-dessus. Hein. 3. Il peut pas me table rage, j'ai une unité là-bas. Ah, c'est vrai. Allez, toi, il peut faire côté 5. Une morte. Une morte. C'est bien Drigo, okay. Drigo, c'est bien morte. Drigo, il a dû tuer 4 systèmes. 1, 2, 3. Hein? Je s'en fous. Vas-y, t'as tout ça. PA-2, mais vous voyez que ça me fait peur, moi, de faire des 4 plus comme ça. Un peu. Mais elles sont mortes. Ok. C'est bon. Donc okay. Je ferai pas de truc parce que tu feras rien du tout, donc t'arrêtes là. Juste Benji, on tire tes secondaires. Ouais, mais donc. Alors, donc moi je score à la fin du tour, on est d'accord? Donc je peux repartir avec les deux. On est d'accord, hein, je score à la fin on du est tour. D'accord, mais de toute façon, le... 5, 10, non, mais je regarde ce que j'ai à faire. Ça sert à rien, tu as fini. Okay. Non, mais j'ai containment à faire à Secure No Man's Land. Donc Secure No Man's Land, je vais faire ici, je vais faire 15. Et containment, je vais aller le faire avec Drigo dans un coin. Et puis voilà. Elle était vraiment cool, la gueule. Elle était cool. Quoi? Quoi? Tu vas mettre du coup 15 points de primaire, t'es à 47, tu vas passer à 62. Je ferai 3 de containment. 62. Et je ferai 2 de trucs. 67. 62, tu mets les containment à 3, tu passes à 65. Ouais. Et c'est cure à 2. 67. C'est une clôture la partie de ce soir. 67 à 31.
Bravo les gars. Si je loupe pas mon T2, surtout si tu commences pas. Si je commence pas en plus. Si tu commences pas, c'est toi qui me viole et. Et mets-toi là-bas comme c'est la même côté. Putain les mecs. Oh, je suis en rouge moi. Ouais, c'est la fin. Attends, c'est la fin. Il fallait s'arrêter. Sur ma cloque en plus, c'est un scandale. Triangulation isocèle. Les gars, on arrive à la fin de cette partie. Victoire pour Bungie, 67-31. La partie était super cool, les gars, c'était hyper agréable. Je pense que l'ambiance, vous l'avez senti, était très très bonne. La partie était surprenante. Elle était cool. À tous les égards. Elle était vraiment cool. Le choix de jeu de Vostro de mettre la pression dès le T1 était peut-être pas attendu. La réponse, elle a été ultra violente. Derrière Vostro, il fait pas un superbe tour sur son T2, c'est pas foufou. Mais après, ça se rééquilibre, tu rates ta charge, vous avez 92% de réussite. Et au final, ça se tape, ça joue jusqu'au dernier dé. Hein. Parce que là, Morven, tu la tues pas, tu rates ta charge en fait. Tu rates ta charge, Morven, elle te soulève un pack. C'est lui qui met les 15 points de primaire à la fin de. C'est ça. Et en fait, il vient là, il tue ça, et il fait nos prisonniers et tout. Et en plus, c'est lui qui fait les 15. Ouais. Non, il ne fera pas les 15. Tu mets plus de points de primaire. Bah après, il me restera toujours encore Drago qui retombe, j'ai une deuxième chance de charge et tout. Après, il ne fait pas les 15, techniquement. Si je peux charger aussi avec toutes les attaques que je fais, il n'est pas interdit que je ne te plie pas le deuxième pack avec Morven Valoka. Ouais, mais lui, ça tombe. Non, mais en fait, si je rate ma charge, à ton T5, tu ne scores pas, tu n'es pas dessus. Non, mais je vais là-bas et je t'empêche de venir scorer. Oui, voilà. Bah avec Morven Val, quoi. Ouais, c'est ça. Morven Val derrière, un écran de fil devant, tu ne peux pas faire par 3, tu ne peux pas venir. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai une deuxième chance de charge à 9 reroll avec Drago. Donc en fait, j'ai 4 charges à 9 avec Drago. Voilà. C'est vrai. Ok les amis, on espère que ça vous a plu. Nous on a passé un bon moment avec vous. Je vous rappelle que la deuxième journée est terminée. Du coup c'est Benji qui jouera contre le gagnant de la poule B. La poule B elle se finalise demain matin avec l'arrivée d'Antanora qui va jouer demain matin contre Cassé et après qui va jouer contre Cartman. Et Cartman qui commence déjà à avaler sa salive ne se sent pas très bien. Parce que là il a vu honnêtement, je pense que j'ai lâché les brides Sista. J'ai dit Balek frérot, on y va. C'est rentré pour histoire de te faire douter. Non, on ne voit pas. Ouais, je sais, mais vous me poussez. Bah, c'est Benji. Benji veut pas triangler. J'ai vraiment voulu rentrer fort en disant. On joue sur ma cloque, on me met dans le petit carré noir. Et en vrai, ça n'est pas de respect. Si je calculais déjà combien d'unités je pouvais essayer de remonter tout ça. Si, je l'ai annoncé avant. J'ai annoncé avant les 4 unités. Il a fait un all-in. Et au final. C'était Bonnard. Pipou le hibou. Caldor Drago. Non, c'est pas. le duel des titans là. Drago il a rien fait. C'est même pas lui qui t'a fini. Comparé à Morven Val. Morven Val elle a fait les 4 armures. De Disneyland. Elle a fait les 4 armures et les 5 Terminators avec le Libarium. Oh, il a fait Galobus. Bon, les amis, on vous laisse là-dessus. 1400 points avec une figurine. Il y a plus, les demain matin, Blood Angel contre World Eater à 9h du matin. Ça va ranxer du poney. Tenez le pour dit. À demain soir, les gars. Demain. Ciao. Ciao. Et franchement, je pense.